Bonjour chers collègues, nous allons reprendre nos travaux par notre séance de questions d'actualité. Alors, nous allons démarrer par la question de M. Lowenstein adressée à M. le ministre-président Rudi Verwoerd concernant les mesures envisagées à la suite de l'annulation de l'arrêté accordant des autorisations d'exploiter des taxis électriques. Je rappelle qu'on n'a pas de notes, évidemment, dans les questions d'actualité. Vous avez la parole, M. Lowenstein. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre-Président, le mois de novembre dernier a été un mois de novembre où le Conseil d'État a eu l'occasion de se pencher sur le dossier des taxis, une décision sur laquelle on a eu l'occasion de beaucoup discuter déjà jusqu'à présent. Il y a une autre décision qui a été prise, celle d'annuler un arrêté du gouvernement autorisant, prévoyant les autorisations d'exploiter les taxis électriques et donc octroyant ces licences de taxis électriques. Cet arrêté a été annulé suite à un recours introduit par une société qui s'est sentie logiquement lésée. La conséquence, la cinquantaine de détenteurs de licences de taxi électrique doivent rendre leur licence à l'administration et doivent cesser de rouler. D'abord, c'était au 15 février, puis ça a été prolongé au 4 mars. Alors que ces mêmes détenteurs de licences ont acquis leur licence en toute légalité et de bonne foi à l'époque, ont investi dans les taxis électriques et donc travaillent de bonne foi et sont aujourd'hui contraints d'arrêter de travailler selon les informations dont je dispose. Le 7 mars dernier, vous avez, votre cabinet a rencontré une délégation de ces chauffeurs. Il est prévu de les rencontrer à nouveau le 21 mars. Et en vue de trouver une solution dans l'intervalle. Et donc, ma question sera toute logique. Quelles sont les mesures qui sont prises pour venir en soutien? J'ai entendu par la voix de la presse qu'une solution, entre guillemets, sparadrap a été proposée. Quelle est-elle? Quelles sont les solutions sur la table pour permettre à ces chauffeurs, à ces détenteurs de licences de taxi électrique de voir les prochains mois de manière sereine? Je vous remercie. Merci, Monsieur Lowenstein. Vous pouvez retourner à votre banc. Et j'invite maintenant Monsieur le ministre-président. Oui, vous pouvez prendre, hein, s'il y a des dates, des chiffres, tout ça, vous pouvez. Hein. Peut-être d'abord faire référence au débat que nous avons eu déjà en commission, hein, à l'initiative de Mme Durcel. Hein, donc, le sujet a été abordé le 15 février dernier. Les éléments, je ne vais pas rappeler tous les éléments, les rétroactes. Ben, vous le savez aussi bien que moi, c'est un reliquat de l'avant-dernière législature. Hein, donc, il y a eu trois arrêts d'annulation prononcés par le Conseil d'État dans la même affaire. Donc, à chaque fois, les gouvernements ont tenté de prendre une disposition pour corriger la décision de base qui a été annulée. Et donc, ici, une dernière fois, donc c'est au mois de le 18 novembre dernier que le Conseil d'État a une nouvelle fois. Donc, on a fait le tour de la question, je veux dire, quant à reprendre un arrêté. Ça ne concerne pas tous les taxis électriques. Je pense qu'il y en a il y en avait une cinquantaine au total, mais je pense qu'il y en a une vingtaine, 22 ou 28, je ne sais plus, qui peuvent continuer à fonctionner. Donc, ce n'est pas la totalité qui est visée par l'arrêt du Conseil d'État. Et donc, mon cabinet les a rencontrés. La solution qui semble, elle est extrêmement complexe, elle implique effectivement d'abord de modifier une ordonnance et puis de modifier les arrêtés. Donc, il faudrait modifier l'ordonnance du 27 avril 1995. Qui en son article 6, je pense, prévoit la procédure d'adjudication pour délivrer des nouvelles autorisations au taxi. Donc ça signifierait qu'il faudrait tout recommencer au départ, au point de départ. Et donc ici, l'idée, ce serait au travers d'une proposition d'ordonnance, parce que je ne vois pas d'autre solution, de modifier et donc de suspendre, c'est aussi très limite légalement, c'est de suspendre cette disposition-là pour ne plus devoir procéder par adjudication et donc, subséquemment, de prendre un arrêté qui modifie le nombre de licences qui sont délivrées à Bruxelles pour les taxis, j'ai bien taxi,
et donc de faire en sorte qu'on augmente d'une centaine le nombre de taxis qui seraient admissibles. Ce serait le nombre total des taxis électriques qui seraient admissibles. Donc, il y aurait ces deux dispositions-là qu'il faudrait modifier. On a regardé la ligne de temps, et la question qui est posée maintenant, mais on n'est pas encore totalement tranchée, c'est de se dire, vous le savez aussi bien que moi, que l'ordonnance réforme taxi est au Conseil d'État, et donc on attend l'avis du Conseil d'État. Donc on reste dans les clous du calendrier tel qu'annoncé. On verra bien ce que le Conseil d'État dira, mais tout, logiquement, on tient les clous. Et donc, on pense qu'on mettra en œuvre des mesures qui s'avéreraient inutiles, sachant que de toute manière, le temps que tout ça se mette en œuvre, on sera quand même assez vite aux vacances parlementaires. Et donc, ça reste quand même pour moi l'échéance à laquelle on pourra voir se mettre en œuvre la réforme des taxis tant attendue. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre Président. Monsieur Lowenstein, pour une petite réplique. Brièvement d'ici. Merci, Monsieur le Ministre-Président, pour votre réponse. Alors, je comprends bien qu'il y a un timing au niveau de l'ordonnance, de la réforme de l'ordonnance taxi du plan global, et que la situation actuelle risque de ne pas pouvoir être réglée de sitôt. Mais, donc, ces détenteurs de licences taxi ont acquis, je pense, de bonne foi, ces licences. Et il y a eu des transferts, des cessions de licences, et donc on est dans une situation un peu complexe. J'entends, donc c'est dans la presse que l'avocat dit qu'il y a une période il y a une tolérance actuelle. Est-ce que le plus simple n'est pas finalement de prolonger cette période de tolérance jusqu'à l'adoption finale de l'ordonnance taxi? En tout cas, je pense qu'il faut apporter un peu de sérénité auprès de ces chauffeurs qui ont investi et qui espère pouvoir continuer à travailler le temps de la réforme globale. Oui, mais c'est vrai que le concept de bonne foi, il est souvent cité dans ce dossier de taxi, d'ailleurs. Et donc, une fois de plus, une fois de moins, non, mais j'ai rarement rencontré un secteur qui avait tant de bonne foi. Merci, Monsieur le Ministre-Président. Merci, Monsieur Lowenstein. L'incident est clos. Nous passons à présent à la question de Monsieur Hicham Tali, également adressée à Monsieur Vervoort, concernant la mise en œuvre des sanctions prévues dans le régime dérogatoire transitoire applicable aux services de location de voitures avec chauffeur en région Bruxelles-Capitale. Vous avez la parole, Monsieur Tali. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre-Président, un nouvel opérateur actif en région bruxelloise dans le transport rémunéré de personnes se plaignait cette semaine dans la presse du non-respect de ses concurrents de l'ordonnance transitoire qui a été votée au Parlement le 10 décembre dernier. En gros, les opérateurs concurrents continuent à opérer avec des véhicules qui possèdent des licences des deux autres régions. J'avais eu l'occasion de vous interroger le 21 janvier dernier en séance plénière concernant le non-respect de l'ordonnance par des plateformes, et M. Gatz m'avait répondu qu'un avertissement sera adressé aux plateformes qui ne respectent pas l'ordonnance, et s'il s'avère qu'il existe une volonté délibérée de ne pas respecter l'ordonnance, l'agrément sera retiré. Ça, c'était le 21 janvier. Aujourd'hui, on est le 11 mars. Cette volonté délibérée de ne pas respecter l'ordonnance est manifeste et elle ne permet pas une concurrence loyale entre opérateurs. Et j'ai vu dans cet hémicycle, lors de débats précédents, que tout le monde voulait que le plus d'opérateurs possible puissent opérer dans le marché des trottinettes, dans le marché du gaz. Et ici, sur le marché du transport rémunéré de personnes, personne ne sait mieux qu'il y ait une concurrence déloyale qui risquerait de mener à une sorte de monopole privé. Et j'ai un collègue qui a dit dans une commission que pire qu'un monopole public, c'est un monopole privé. Il faut éviter ça. Et pour éviter ça, Monsieur le Ministre-Président, il faut qu'on fasse respecter l'ordonnance transitoire et notamment le volet sanctions. Et donc, ma question est simple. Est-ce que vous allez retirer l'agrément aux plateformes qui ne respectent pas l'ordonnance aujourd'hui? Merci. Merci, Monsieur Tali. Monsieur le Ministre-Président. J'ai effectivement lu avec attention l'article paru aujourd'hui dans un grand journal de la capitale. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on est dans une situation où je pense qu'un grand nombre d'opérateurs respectent l'esprit et la lettre de l'ordonnance transitoire.
sauf un. Alors, en termes de contrôle, à l'heure où je vous parle, à peu près une quarantaine de saisies ont déjà été effectuées en application de cette ordonnance. Mais manifestement, on sent que quelques difficultés à intégrer ça chez certains. Et donc, j'ai effectivement envoyé un premier courrier avertissant cet opérateur qu'il était un peu hors des clous. Et nous allons maintenant renvoyer un rappel en disant que nous allons étudier la question, vous le savez, la question de l'agrément se pose juridiquement parlant. Hein, donc, mais il y a d'autres voies de droit qui nous permettraient effectivement de faire respecter l'ordonnance, et c'est ce que nous sommes en train d'étudier d'un point de vue juridique, mais on ne va pas laisser les choses continuer. Parce qu'on sait bien que là, même si c'est en toute bonne foi, comme toujours dans le secteur, on sait bien que là, il y a un objectif clair, c'est de pouvoir massifier le nombre de taxis et de faire en sorte que par après, il y ait effectivement une capacité d'un opérateur à l'emporter sur les autres. Lui, il est dans une logique de monopole, il ne faut pas se le cacher, tout le monde en est bien conscient ici, Dieu vous le dit tous, personne n'aime Uber ici, enfin, je pense, ouais, j'en sais rien, mais bon, en tout cas, il y en a qui le font, mais alors en cachette, mais en tout cas, ils ne l'expriment pas comme ça directement, mais leur modèle économique, c'est évidemment, je dirais, de faire une espèce de submersion des concurrents. On le sait aujourd'hui par toutes les politiques qu'ils mènent au niveau tarifaire, hein, parce que la politique tarifaire, c'est clairement enfoncer les autres, hein, puisqu'ils peuvent, eux, se permettre de fonctionner à perte, et donc leur perte importe peu, puisque l'objectif final, c'est clairement d'être les seuls sur le marché. Donc il faut effectivement empêcher cela et faire en sorte qu'une concurrence saine puisse demeurer une fois que la réforme aura été votée et mise en œuvre. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci, Monsieur Verbeau. Monsieur Tali. Merci, Monsieur le Président, pour votre réponse. Et donc, ici, on est contre personne. On demande simplement que tous les opérateurs qui veulent être actifs dans le secteur respectent les mêmes règles. On veut de la concurrence loyale. Manifestement, il y a un opérateur qui se comporte comme un voyou, qui ne veut pas respecter la réglementation. Et ici, c'est combien de temps on laisse cet opérateur ne pas respecter la réglementation, et en ne respectant pas la réglementation, il a un avantage concurrentiel sur ses concurrents, et ça va nous amener à une situation où il n'y aura plus de concurrents à cet opérateur à Bruxelles, et ce n'est absolument pas ce que nous souhaitons. Et pour ça, il faut qu'on fasse respecter cette ordonnance et qu'on l'applique strictement. Et donc, je ne sais pas en combien de temps vous aurez l'analyse juridique qui va vous permettre de faire ce retrait d'agrément, mais je souhaite que ça soit le plus rapidement possible, sinon les opérateurs vont partir et on va se retrouver dans la situation initiale. Merci. L'incident est clos. Nous passons à présent aux questions d'actualité de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Et nous passons à la question de notre collègue Ibrahim Domnez pour sa question adressée à Mme Vandenbrade et M. Marron relative à la qualité des maisons de repos et de soins bruxelloises à la lumière d'une étude récente. Vous avez la parole, M. Domnez. Merci, M. le Président. Monsieur le Ministre, vous êtes sans doute au courant de l'étude récente et la carte blanche qui est parue en début de semaine, co-écrite par 6 chercheurs et professeurs d'université françaises et belges, qui met en avant le taux de mortalité dans nos maisons de repos. En effet, en France et en Belgique, on a 50% plus de chances, en étant résident d'une maison de repos, de décéder en dehors des 2 ans que si on était resté chez soi. Alors, c'est un triste constat, et quand on regarde un peu l'étude de plus près, on s'aperçoit, on met en avant 3 points essentiels, je trouve. D'abord, c'est les dépenses publiques pour les maladies de longue durée qui sont très faibles. Deuxièmement, ce serait le nombre de personnes encadrant les personnes âgées. Et troisièmement, la proportion de maisons de repos à but lucratif qui serait extrêmement élevée. Alors le deuxième constat de cette étude, c'est le manque de données sur la qualité des soins donnés dans les maisons de repos et de soins. Alors ces chiffres nous font froid dans le dos. Effectivement, mes questions seront les suivantes, Monsieur le Ministre. D'abord, c'est de savoir si vous êtes en possession de cette étude et de ces chiffres, si vos services du Collège Réuni et d'Irisker ont fait ce constat et confirment ces chiffres. Et ensuite, si effectivement c'est le cas, ça doit être un électrochoc pour nous tous, et de savoir surtout si vous confirmez que cette étude va être lancée, parce qu'aujourd'hui, on n'a encore aucun recul sur la qualité des soins qui sont donnés dans nos maisons de repos. Je vous remercie. Merci, M. Domnez. Monsieur le Ministre.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Donnez, pour votre question sur un sujet dont on a déjà souvent parlé et dont on va encore parler, la question de l'accueil des aînés dans les maisons de repos et même de la politique des aînés en général. Alors oui, on a pris connaissance de l'étude. Une petite précaution quand même, il faut se rendre compte que les personnes qui résident en maison de repos souvent sont dans un état de santé plus détérioré que celles qui sont à la maison, ce qui explique une partie du phénomène. Néanmoins, il ne s'agit pas du tout de nier qu'il y ait des problématiques spécifiques de manque de suivi et de manque d'encadrement et donc d'insuffisance de qualité des soins dans un certain nombre de maisons de repos. Alors, comme vous le savez, donc, il y a eu de nombreux rapports, il y a eu celui-ci, il y avait déjà eu des rapports précédents, notamment suite à la première vague Covid, qui a mis en exergue en fait, un certain nombre de problématiques plus structurelles. Alors, le gouvernement a adopté en deuxième lecture, il y a quelques semaines maintenant, réforme de l'ordonnance maisons de repos. Ça poursuit son chemin et ça arrivera sur vos tables dans de prochains mois, qui vise déjà à améliorer structurellement le secteur et à aussi rééquilibrer un petit peu les parts de marché entre le commercial d'un côté et le non-commercial de l'autre, qu'il soit public ou associatif. Ça, c'est une grande balise de l'ordonnance. Sur les arrêtés qui sont en cours de discussion depuis longtemps au sein d'IRISCER et qui devraient arriver sur la table du gouvernement courant printemps, ce sont les arrêtés, notamment sur les normes de qualité et les normes d'encadrement. Il y aura une rehausse au niveau des normes de qualité et des normes d'encadrement. Par ailleurs, le personnel d'IRISCER a été renforcé sur les contrôles qualité dans les maisons de repos. Et enfin, vous le savez, on soutient avec la Fondation Rabaudouin les projets TUB, qui sont des projets participatifs, mais qui incluent aussi de l'augmentation de qualité et de la participation des résidents dans les maisons de repos. On continue à les soutenir et à les évaluer. Mais donc, on fera le point sur tout ça dans tous les cas en commission régulièrement, mais en plus de cela, quand on aura l'occasion d'examiner ensemble le projet d'ordonnance. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le député. Oui, merci, merci Monsieur le Ministre, pour cette réponse très complète. Effectivement, vous l'avez dit, on y travaille, et j'espère que dans la future ordonnance, dans la future réforme de l'encadrement du vieillissement aussi en région bruxelloise, on pourra intégrer ce facteur qui, pour moi, est essentiel. C'est la qualité des soins qui sont donnés, la qualité de vie, de fin de vie pour nos aînés. Et effectivement, on suivra ça de très près dans notre commission. Merci. Merci, Monsieur Denez. L'incident est clos. Alors, en application de l'article 113.6 du règlement et vu le nombre de questions, nous allons avoir un débat d'actualité consacré à la situation des réfugiés ukrainiens notamment. Alors, nous avons la question de Madame Frémaux adressée à Monsieur Vervaux, Madame Vandenbrand, Monsieur Marron, relative aux mesures relatives à l'accueil des réfugiés ukrainiens en région de Bruxelles-Capitale. Question de Madame Nagy, soutien au CPS bruxellois pour l'accueil des réfugiés ukrainiens. Madame Ostrat, politique bruxelloise d'accueil des réfugiés ukrainiens. Madame Lecoq, coordination de l'accueil des réfugiés ukrainiens en région de Bruxelles-Capitale. Frau Van Achter, Brusselsplan van Aanpak voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Monsieur Van Kouwenberg, mesures bruxelloises relatives à l'accueil des réfugiés, dont les Ukrainiens. Mevrouw Rochette, coordinatie op het Brusselse niveau van de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. La question de Madame Jamoul, coordination des CPS et des opérateurs de terrain bruxellois dans le cadre de l'accueil des réfugiés ukrainiens. Et celle de Monsieur Weitzmann, mesures prises par l'exécutif bruxellois dans le cadre de l'accueil des réfugiés ukrainiens. Je rappelle que le débat d'actualité, c'est 45 minutes. 2 minutes par orateur, et puis vous aurez évidemment une réplique, et le ministre qui répond, c'est 2 minutes fois le nombre de questions. Nous démarrons tout de suite par Madame Frémaux, que j'invite à la tribune, et je lui cède volontiers la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Président, Monsieur le Ministre. Il y a des temps, il y a des mots que nous n'aurions pas imaginé entendre, notamment cette déclaration du Président Macron disant que la guerre est aux portes de l'Europe, et donc la situation que nous vivons ici, mais surtout qui est vécue à quelques milliers de kilomètres, est particulièrement alarmante et dramatique. La Belgique est dans une fourchette d'estimation d'un accueil de 200 000 personnes. Et si, dans un premier temps, le focus a été fait sur un accueil improvisé et très généreux des citoyens, force est de constater depuis maintenant quelques jours qu'il est particulièrement interpellant de voir des files se former sur le boulevard de Waterloo, de voir aussi une certaine désorganisation
en la matière. J'ai eu l'occasion, à travers les réseaux sociaux, de pouvoir examiner les déclarations du ministre président Wallon, Élodie Rupeau, qui structure l'aire wallonne en quatre points. Je trouve que pour Bruxelles, c'est plus incertain. En tout cas, les contours sont moins déterminés. Et donc, mes questions sont les suivantes. En termes de coordination, ne pensez-vous pas qu'il est indispensable, à l'instar de ce qui a été relayé par la conférence des bourgmestres ce mercredi, de pouvoir avoir un plan d'urgence régional, si oui, coordonné par la haute fonctionnaire, avec notamment les communes qui ont déjà et de nouveau été en première ligne en mettant toute une série d'informations à disposition tant des citoyens que des réfugiés. La deuxième question, c'est sur celle de l'hébergement et du logement. Est-ce que la région va dégager elle-même des potentiels logements, si oui, et quels opérateurs, quelles structures, de quelle manière, de façon temporaire, pérenne, quel est le lien qui est fait aussi avec la plateforme citoyenne et les structures, notamment de la COCOM. Le troisième point, c'est évidemment l'accompagnement, parce que les personnes qui arrivent ici, qui sont réfugiées, qui ont dû tout quitter en quelques heures, parfois avec des enfants sous le bras, ont besoin d'un accompagnement, parce qu'ils ont vécu des choses qui sont terrible, mais parce qu'ils ont un accompagnement ici pour pouvoir se situer dans l'endroit qui les accueille. Il y a toute une série de volets, outre l'accompagnement psychosocial classique, d'accord, celui notamment des écoles. Et je termine, Monsieur le Président, c'est quel est le budget qui va être dégagé à cet effet? J'ai lu par Belga que la région va dégager 180 000 euros à travers le consortium 12-12-12. J'imagine que nous serons bien au-delà des chiffres annoncés. Je vous en remercie. Merci, Madame Frémaux. Madame Nagy. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre-Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, il y a 15 jours, quand j'ai allumé la radio et que j'ai entendu que les chars russes entraient en Ukraine, ça a résonné évidemment dans mon histoire et ça a créé quelque chose de terriblement déprimant et émotionnel. Et je me suis remémoré 60 ans d'histoire européenne, peut-être même plus, 75 ou un siècle d'histoire européenne. Et voilà qu'aujourd'hui, depuis quelques jours, ce sont ces réfugiés qu'on a vus fuir, femmes, enfants, hommes, comme on en a vu fuir d'autres en Syrie, par exemple. Et je pense que tout le monde peut aujourd'hui faire son mea culpa sur le manque de vision peut-être à ce moment-là. Mais toujours est-il que nous voilà avec des milliers de réfugiés qui vont et qui ont débarqué à Bruxelles. Et malheureusement, on a vu des images difficiles aussi d'un accueil qui n'était pas vraiment au top et qui s'organise à fur et à mesure. Et je voudrais ici rendre hommage quand même à la ville de Bruxelles qui a, suite peut-être à un manque de prévoyance de fait d'asile, tout de suite compris qu'on était devant quelque chose d'important. Mais donc, il est notre tour à nous, région bruxelloise, de s'organiser. Les communes, les CPAS, viennent de sortir de la période Covid, encaissent la hausse de l'énergie et donc sont submergées. Mais voilà, face à ce que vit l'Ukraine, je pense que nous sommes en capacité de répondre de manière forte. Et donc mes questions portent sur, est-ce que vous avez un plan d'action régional pour l'accueil de ces 20 000 estimations du nombre de réfugiés qui pourraient arriver à Bruxelles? Est-ce qu'il y a un budget en particulier pour soutenir les CPAS et les communes pour faire face à cette arrivée? Est-ce qu'il y a des séances d'information vis-à-vis des hébergeurs pour leur garantir leurs droits et pour éviter des difficultés de l'ordre privé? Merci beaucoup, monsieur. Je sais que le sujet est important, mais bon. Merci, madame Nagy. Madame Ostrad. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre-président, monsieur le ministre, la guerre fait rage en Ukraine et on dénombre déjà pas moins de 2 millions de réfugiés ukrainiens qui ont trouvé refuge en Europe.
Chez nous, les réfugiés sont accueillis et sont enregistrés dans un seul centre, l'ancien Institut Bordet. L'afflux est tous les jours plus important et ce centre est débordé. S'il faut dresser le triste constat de la différence de traitement des réfugiés en fonction de leur provenance, on peut tout de même se réjouir de voir la solidarité qui entoure les réfugiés ukrainiens. Il n'en reste pas moins que leur prise en charge en Belgique est de plus en plus décriée. En effet, cette prise en charge n'est pas aussi efficace qu'elle devrait l'être, due notamment à des raisons d'excès de formalisme et de manque d'organisation, selon ce qu'on a pu lire dans la presse. Par ailleurs, les réfugiés ukrainiens qui n'ont pas encore de solution d'hébergement doivent impérativement s'enregistrer pour pouvoir avoir une place via FEDASIL. Et le SAMU social a déjà fait le constat que des réfugiés étaient contraints de dormir dans la rue. Alors, vu tous ces problèmes, un des palais du ESL devrait devenir le nouveau centre d'accueil et d'enregistrement des réfugiés ukrainiens. Sami Mahdi, donc le secrétaire fédéral à l'asile et à la migration, est inquiet concernant le nombre de places disponibles pour l'hébergement de ces réfugiés et fait appel aux communes et aux régions. On a appris hier qu'il y avait eu une réunion de coordination entre les différents niveaux de pouvoir. Mes questions sont donc les suivantes. Quelles décisions ont été prises lors de cette réunion de coordination? Où en est l'état d'avancement par rapport au palais du ESL? Pouvez-vous dresser un état des lieux concernant l'accueil et surtout le nombre de places d'hébergement pour les réfugiés ukrainiens, que ceux-ci soient enregistrés ou non? Et enfin, concernant la coordination entre les différents réfugiés, est-ce que vous avez pensé à la problématique concernant les autres réfugiés, si vous avez veillé vraiment à ce qu'il n'y ait pas une situation encore plus compliquée pour les réfugiés qui viennent d'autres pays à cause de la guerre en Ukraine? Je vous remercie. Merci, Madame Ostrat. C'est à présent au tour de notre collègue Marie Lecoq. Bonjour à tous, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre Président, mais comme les collègues l'ont rappelé, ça fait maintenant exactement 2 semaines depuis ce matin que nous suivons l'avancée des troupes russes, que nous regardons le chemin que les civils entreprennent maintenant. C'est vraiment maintenant qu'on se retrouve tout à fait confrontés à ça. Alors heureusement, ces personnes, en tout cas certaines, une partie, ont réussi à prendre la route, à arriver jusqu'ici. Il y en a encore de grands nombres pour qui ce n'est pas le cas, aussi beaucoup de personnes qui luttent contre cette guerre en Russie et dont j'espère qu'on pourra aussi prendre soin. Mes questions sont donc les suivantes. Qu'en est-il de la coordination au niveau bruxellois, notamment avec la haute fonctionnaire, avec les services, avec les administrations? Comment est-ce que tout ça s'organise? Ma deuxième question, évidemment, est plutôt liée aux compétences, c'est-à-dire comment est-ce qu'on identifie les limites aussi de l'action des communes et de l'action de la région elle-même, étant donné que ça reste quand même une compétence fédérale en grande priorité. Et puis quelque part dans le même ordre d'idées, et un petit peu comme ma collègue Uttere Ostrat, comment est-ce qu'on s'assure quelque part que cet élan de solidarité et cette action qu'on peut vraiment saluer ne constitue pas une action quelque peu discriminatoire par rapport à d'autres personnes sur lesquelles nous avons souvent en fait alerté sur leur cas dans cette même assemblée? Voilà, je vous remercie. Merci Madame Lecoq. Tissu de Beurt, un collègue Van Echter. Goedemiddag, meneer de minister-president, beste minister Maron. Gisteren sprak ik met een Brusselaar die hier al 3 jaar woont en die Nederlandse les volgt en die een conversatietafel had in het parlement hier. En ik was van Oekraïne en hij had vragen voor ons als parlementsleden. En hij zei van ja, beseffen jullie wel wat er op jullie afkomt? Die was heel bezorgd, die had zoiets van, welk signaal geven jullie? Hoe zijn jullie daarmee bezig? Naar ons als parlement is dat een oprechte vraag. En ik kon hem geruststellen van ja, wij zijn ons bewust van de enorme uitdaging die deze crisis, die we allemaal heel sterk veroordelen,
op ons brengt en welke antwoorden dat we daar moeten aan geven, ook al kennen we niet de hele omvang. Ik denk dat niemand vandaag al echt heel realiseert van wat er op ons afkomt. Dus meneer de minister-president, ik denk dat het wel heel goed is dat we hier ook in het parlement de vragen kunnen stellen vandaag en antwoorden krijgen over wat onze Brusselse plan van aanpak is in deze crisis. En om de Oekraïners die hier zijn en die er naar hier zullen komen goed te kunnen opvangen. We willen weten hoeveel opvangplaatsen zijn er bij individuele mensen of collectief. Wordt er nog bijkomend gezocht naar collectieve opvangplaatsen? Wie neemt er daar een trekkersrol in? Bent u dat? Zijn dat de gemeenten? Wie trekt daar aan de kar om hier in Brussel ook voldoende collectieve opvang te voorzien? Wordt er ook een screening gedaan bijvoorbeeld van de mensen die individuele opvang geven? Want je moet natuurlijk alle vluchtelingen die naar hier komen een goede opvang geven met de nodige begeleiding en ook zien dat zij ook geen slachtoffer worden hier. Ik denk dat dat terechte vragen stellen die zijn die we ons stellen en waar ik hoop van u een antwoord op te krijgen van uw plan van aanpak. Dat heel wat mensen hier in Brussel dit debat volgen en graag willen weten wat de stand van zaken is. Dank u, mevrouw Van Achter. C'est à présent au tour de notre collègue Van Kouwenberg, que j'invite à la tribune. Merci le Président, Monsieur le Vice-Président, Monsieur le Ministre. Voilà, après cette agression criminelle et injustifiable de l'Ukraine par la Russie, nous sommes confrontés à un énorme afflux de réfugiés. Or, nous constatons que le centre bordait est débordé. Donc, les gens qui font un long chemin pour fuir la guerre, des milliers de kilomètres fatigants et stressants, donc ils se retrouvent dans une file pendant des heures, dans le froid. Heureusement qu'il y a, c'est peut-être le côté positif de l'affaire, si on peut dire comme ça, il y a de nouveau cet élan citoyen de solidarité pour les venir en aide. Et moi, je comprends que c'est un grand défi. Ce n'est pas facile de soudainement accueillir autant de gens, des réfugiés. Donc, j'espère qu'on pourra rectifier un peu, prendre les mesures nécessaires. Néanmoins, il faut quand même dire aussi que la Belgique n'a pas bonne réputation en matière d'accueil des réfugiés. Elle a été condamnée pour ça. Il y a eu un mouvement de grève où des travailleurs ont fait d'asile. Voilà, et on pense non seulement aux réfugiés ukrainiens, mais aussi à tous les autres réfugiés qui viennent d'autres régions pour fuir la guerre et les persécutions. Voilà, la situation au Petit Château devient jour après jour plus dramatique. On ferme plus tôt, les gens dorment dehors. Voilà. Alors mes questions, c'est après cette réunion d'hier entre le fédéral et les régions, qu'est-ce que la région va entreprendre pour accueillir les réfugiés, faire face à l'urgence et en même temps donc l'accueil structurel des réfugiés? Et deux, quels moyens le fédéral va mettre à disposition au niveau financier, moyens matériels de la région? Okay. Je vous remercie. Merci, M. Van Kouwenberg. Si nous devons un collègue, Els Rochette. Dag meneer minister-president, meneer de minister. Het zijn de verschrikkelijke beelden, laat niemand koud, van de kapot gebombardeerde steden, de vluchtwegen waar vrouwen en kinderen proberen weg te geraken die gebombardeerd worden. Het is dan ook bewonderenswaardig dat de Europese Unie en België zeer snel actie hebben ondernomen en ook gezegd hebben, wij willen zoveel mogelijk Oekraïnse vluchtelingen opvangen. We zien het gevolg al aan instituut Bordet, lange wachtrijen de komende voorbije week, maar dag na dag meer en meer vluchtelingen komen toe. Het is goed dat we het nieuws kregen dat er maandag een nieuw centrum zal openen op Paleis 8 aan de Heizel. Dat zijn stappen vooruit.
Maar ja, we kunnen ook niet triest zijn. Allee, we kunnen niet onberoerd blijven bij het feit dat er deze nacht al Oekraïense vluchtelingen op straat moesten slapen. Trouwens, wat dat vaak het geval is voor andere vluchtelingen. En zoals collega's ook zeiden, ik hoop dat we daar echt een les uit leren en dat we daar geen verschil tussen maken. Ik heb ook al berichten gekregen van OCMW's die heel ongerust zijn. Vooral Brusselse OCMW's die vandaag zeer veel inspanningen doen ten aanzien van vluchtelingen. Zij vrezen dat ze nog eens extra mensen gaan binnenkrijgen. En dus daar is echt wel een vraag van hoe zal de spreiding gebeuren naar de gemeentes toe? En misschien kan de Brusselse regering op federaal niveau ook zeggen van kijk, het kan niet zijn dat het enkel is op basis van bevolkingsaantal, maar dat er ook al gekeken wordt naar welke OCMW's vandaag al veel inspanningen leveren. Een andere vraag is, zal het gewest ook een gebouw ter beschikking stellen? Want dat zal vermoedelijk echt wel nodig zijn. Op welke manier zal het Brussels gewest de opvang van die Oekraïense vluchtelingen coördineren? En ook is er een coördinatie, informatie en begeleiding voorzien van de vele vrijwilligers, van de gezinnen die vandaag ook bij hun thuis mensen opvangen. Alvast bedankt voor uw antwoorden. Dank u, mevrouw Rochette. Madame Jamoul. Merci, Monsieur le Président. Je dois vous dire que j'ai un peu de mal. Lorsque la COCOM, la région, la ville de Bruxelles ont mis beaucoup de moyens pour l'accueil de réfugiés syriens, les bombardements d'Alep, aujourd'hui on les voit en Ukraine, mais c'était la même chose, certains partis ici ont reproché à la majorité de faire son devoir d'humanité et d'accueil. Alors moi, je pense que c'est très bien cet élan qu'il y a aujourd'hui au niveau de l'Europe et de l'État fédéral et de notre région. Mais je pense qu'un réfugié de guerre est un réfugié de guerre. Qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien orthodoxe comme la majeure partie des Ukrainiens ou des Érythréens qui arrivent ou des Afghans. Et donc j'ai un peu du mal avec cette unanimité retrouvée, même si elle me fait plaisir, parce que je pense qu'effectivement, il faut qu'on s'investisse et qu'on fasse notre travail. Alors, j'ai quelques questions. Quid de la fédération des CPAS? Parce que clairement, dans la mesure où ces réfugiés vont avoir leur statut, ça va faire énormément de travail pour nos CPAS qui ont déjà été mis à mal par la crise sanitaire et puis la crise énergétique. Il faut du personnel, il faut des personnes compétentes. Il n'y a pas que l'accueil, il y a aussi tout le suivi. Et donc, quid de la Fédération des CPAS, M. Marron, si vous avez eu des contacts, vous les avez réunis, qu'est-ce qui va se passer? Quel va être leur soutien aussi à ces CPAS? Quid du contact, on en a déjà parlé avec le fédéral, parce que c'est vrai, c'est une compétence fédérale quand même. En tout cas en grande partie dans un premier temps. Quid de l'aide sociale et la santé, des domaines aide sociale et santé, ces gens vont devoir être soignés, ils sont chez nous. Et enfin, moi j'ai quand même une inquiétude, ce sont des personnes fragiles, essentiellement des femmes et des enfants, et le délégué aux droits de l'enfant est également Mehdi Kassou de la plateforme Bruxelles Refugees qui a l'habitude de l'accueil citoyen. On le sait, on n'accueille pas n'importe comment et surtout, il faut faire attention. Certaines personnes n'ont pas nécessairement des bonnes volontés, enfin, une bonne foi dans leur accueil. Il faut protéger ces gens. Et donc, c'est bien qu'on puisse s'inscrire dans les communes, mais on ne va pas envoyer des personnes fragiles n'importe où, chez n'importe qui. Je pense que c'est vraiment aussi là, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour protéger ces personnes. Merci beaucoup, Madame Jamoul. Je cède à présent la parole à notre collègue David Weitzman, que j'invite également à la tribune. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre-Président, Monsieur le Ministre. Donc, effectivement, ça a été dit et redit, cette guerre est absolument terrible.
La responsabilité du régime de Poutine est évidemment complètement écrasante. L'Union européenne et les États membres en particulier ont pris leurs responsabilités. Ils ont été fermes, ils ont été unis, ils ont pris des sanctions exemplaires. Il y a un suivi et il y a une aide également qui doit être apportée, évidemment. Mais chacun doit prendre ses responsabilités. La région bruxelloise aussi, monsieur le ministre, doit prendre sa responsabilité. Ma question est claire. Que fait la région bruxelloise ? On est face à une urgence. Nous demandons également d'avoir un plan d'urgence. On est face à des milliers de personnes. On parle jusqu'à 10 000 personnes qui viendraient sur notre territoire, jusqu'à 30 000 personnes qui seraient appelées à venir sur notre territoire. Il faut de l'hébergement. Il y a de la solidarité qui se manifeste, de la solidarité interpersonnelle, de la solidarité des Bruxellois, de la solidarité des communes qui prennent à leur charge aussi toute une partie de responsabilité. Et Mme Lagy en a cité une, mais je sais que d'autres communes aussi prennent leurs responsabilités. Elles ont mobilisé des hébergements. Il y a aujourd'hui, monsieur le ministre, des hébergements qui sont vides. Or, il y a aussi aujourd'hui sur le territoire des réfugiés qui cherchent de l'hébergement. Comment est-ce qu'on peut coordonner ça? Comment on peut avoir un plan d'action? Quelles sont vos priorités, monsieur le ministre, très concrètement? Je crois qu'il va y avoir un CORES dans les prochains jours. Qu'allez-vous défendre concrètement dans ce cadre-là? Quelle est finalement la stratégie pour répondre à ce besoin d'hébergement, ce besoin d'accueil et d'accompagnement en urgence dans le cadre de vos compétences, monsieur le ministre? Merci, monsieur Weitzman. Voilà, je vais à présent céder la parole à monsieur le ministre président. Vous avez évidemment à peu près 20 minutes, puisqu'il y a eu 9 questions, 2 minutes par question. Merci, monsieur le président. Oui, évidemment, vous avez été nombreux à m'interpeller sur ce qui se passe, non pas à l'extérieur de l'Europe, mais ce qui se passe en Europe. Ce n'est jamais que 1500 km, je pense, de frontière à frontière, donc ça n'est vraiment pas très très loin d'ici et pas très loin de chez nous. Alors, je vais essayer de vous répondre en l'état d'aujourd'hui. Les choses évoluent jour après jour et les choses ont beaucoup évolué ces derniers jours aussi. Parce que vous parlez de stratégie, vous parlez... ça, c'est effectivement, ce sont des concepts génériques, mais il faut pouvoir y mettre du contenu et voir effectivement dans la chaîne et dans l'état actuel aussi, je dirais, de ce que nous savons, parce qu'on cite beaucoup de chiffres, tout ça reste relativement flou. Aujourd'hui, hier, je lisais que la France attendait à 100 000, donc 100 000 réfugiés. Je dis, tiens, nous, on parle de 200 000, voilà, on est aux Pays-Bas, on parle de 400 000, enfin, je veux dire, ce sont des chiffres comme ça qu'on s'envoie. On n'en sait rien, en réalité, mais on doit être prêt, effectivement, et on doit mettre en œuvre toute une série de mesures pour faire face à ce désastre humanitaire. Alors, bien évidemment, nous sommes associés à la mobilisation nationale pour accueillir ces réfugiés, et donc nous participons à cette concertation interfédérale, hein, via deux canaux principaux, puisque nous nous sommes réunis hier avec le Premier ministre, le secrétaire d'État, Sami Mehdi, la ministre de l'Intérieur, et puis aussi via l'arsenal légal dans lequel nous sommes. En réalité, on fonctionne aussi avec dans un cadre légal qui, effectivement, implique un rôle, je dirais, de pivot de la haut fonctionnaire qui, effectivement, participe déjà depuis plusieurs jours aux réunions initiées par le centre de crise. Ça fait 10 jours que le centre de crise nationale, hein, pas le régional, réunit l'ensemble des gouverneurs et donc la haute fonctionnaire participe à ces réunions. Et nous participons, les représentants régionaux des différents cabinets participent aux réunions préparatoires du COFECO. Peut-être rappeler ce qu'est le COFECO, parce qu'avec la crise sanitaire, on a entendu parler de beaucoup de choses, mais c'est le comité fédéral de concertation. Donc il est censé, je dirais, en amont préparer le travail pour amener les décisions à être prises. Alors, logiquement, par le Centre national de crise. Bon, pour l'instant, tout ça n'est pas encore tout à fait consolidé en matière d'organisation, mais ce n'est pas de notre fait, hein. On peut s'adresser au fédéral pour savoir quoi. Et donc, les communes font partie, évidemment, de cet arsenal et du niveau de pouvoir qui est concerné par la gestion de crise. Puisqu'en fait, vous avez trois niveaux. Vous avez le niveau local, le niveau provincial, mais donc Bruxelles, c'est le haut fonctionnaire et BPS, et puis le niveau fédéral. Et donc, les communes ont été sollicitées par, directement, d'ailleurs, je pense, par le fédéral, sans passer par la région, depuis une semaine, puisqu'elles ont été sollicitées en ce qui concerne l'accueil et l'hébergement des réfugiés. Et
à la demande des autorités fédérales, elle mène effectivement, vous l'avez dit, un travail de recensement des moyens dont elle dispose, et ce que ce soit sur le plan de l'appui technique de lieux pouvant se prêter à un accueil et hébergement temporaire. Sachant aussi que, par rapport à, vous l'avez dit, je ne sais plus qui a posé la question, mais est-ce qu'on ne peut pas comme ça accueillir à tout vent, il faut s'assurer d'eux, donc ça a été évoqué hier, on a dit, ben alors, il y a le flux d'informations allant du fédéral vers les communes devant être continu, nous avons demandé que les communes reçoivent en temps réel les facs mises à jour pour qu'elles sachent dans quelle direction elles doivent aller. Et pour la question relative à l'accueil, ben effectivement, ce qui a été dit hier, ce sont les services de police locaux qui devront faire un screening, ne fût-ce que de regarder aller au casier judiciaire. Enfin, c'est des choses évidentes, mais dans un élan comme ça, on pourrait effectivement se trouver face à des situations, sachant que le public est principalement composé de femmes avec enfants, qui a aussi un risque, il ne faut pas se le cacher, on le voit. Certains sont déjà en train d'imaginer des trucs innommables, mais voilà, c'est une réalité qu'il faut appréhender. Donc là, il y aura un rôle important, effectivement, sur la connaissance de terrain que les communes pourront amener. Alors, il y a évidemment, les problèmes sont multiples. Il y a l'accueil d'urgence directement après l'arrivée, il y a l'hébergement temporaire, il y a le logement plus pérenne, l'accès de l'aide sociale, l'accès à la santé, dont la santé mentale, l'accès à l'emploi, l'accès à l'enseignement, hein, parce que les communautés n'échapperont pas non plus à devoir absorber ce flux. Sachant aussi qu'il y a des réalités territoriales qui sont les nôtres. Bruxelles est dans une situation, j'y reviendrai, mais dans une situation un peu particulière à cet égard-là, que ce soit en termes de places scolaires, mais que ce soit aussi en termes d'afflux de réfugiés. On a, je le disais d'ailleurs hier à la Réunion, nous avons une certaine expertise en la matière. Elle a souvent été peu partagée, d'ailleurs, par le fédéral. Il y a une vraie difficulté à partager avec nous notre expérience en la matière, mais qui implique des investissements importants déjà faits par la région bruxelloise. Hein, parce que certains me demandent ici la bouche en cœur, mais que comptez-vous faire ? Mais demandez-moi plutôt ce que nous faisons déjà. Ça serait déjà pas mal comme discussion, puisque rien que pour les réfugiés, la région investit déjà 10 millions d'euros par an, hein, rien que pour les réfugiés. Alors, moi, je veux bien beaucoup de choses, mais voilà, restons quand même dans un débat qui prenne ensemble la situation globale et pas segmenter, effectivement, comme ça a été dit, réfugié par réfugié. Pour moi, il n'y a pas de discrimination entre les uns et les autres. D'ailleurs, de manière très cynique, on peut se dire que c'est les mêmes bombes, c'est les mêmes fabrications qui tombent aujourd'hui sous les Ukrainiens, qui tombaient sous les Syriens il y a quelques mois. Donc, ça étant dit, je ne vais pas vous faire l'exposé totalement exhaustif, mais je vais donner un aperçu de l'implication progressive des organes régionaux. Zoals ik al zei, werkt de federale overheid sinds de uitbraak van het conflict samen met de hoge ambtenaar. De diensten van de hoge ambtenaar bij Brussel Preventie en Veiligheid nemen deel aan de verschillende vergaderingen van het Nationaal Crisiscentrum en aan de technische vergaderingen en werkgroepen. De hoge ambtenaar heeft mij laten weten dat zij de veiligheidscel op 7 maart heeft samengeroepen om de hulp en interventiediensten op de hoogte te brengen van de verschillende gevolgen die het conflict in Oekraïne heeft en nog zo kunnen hebben voor Brussel als hoofdstad. Zij liet mij ook weten dat zij wekelijks een vergadering van de veiligheidscel met alle disciplines zal organiseren. En ik sta gezien de omstandigheden overeens voortdurend in contact met de hoge ambtenaar om erop toe te zien dat de acties op het grondgebied van ons gewest gecoördineerd blijven verlopen. Elle a réuni ce vendredi, ce jour-ci, donc ce matin, les coordinateurs planificateurs d'urgence communaux pour leur faire un retour sur les actions menées en région bruxelloise et les demandes formulées par le centre de crise nationale. Jusqu'ici, elle n'a pas actionné de plan d'urgence au niveau régional. Donc vous savez, il y a trois niveaux, il y a le niveau local, le niveau provincial et le niveau fédéral. Et donc, à l'heure où je vous parle, elle n'a pas encore décidé d'actionner cela et pour ce faire, je voudrais peut-être me référer aux dispositions de l'arrêté royal du 22 mai 2019, parce qu'on est dans cette situation-là relative à la planification d'urgence et à la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal provincial et au rôle que les bourgmestres et gouverneurs jouent dans ce type de situation. En zoals u weet, is in dat koninklijk besluit bepaald dat de beleidscoördinatie van noodsituaties op drie niveaus kan gebeuren, die fase genoemd worden. En dus, aangezien het Brussels gewest in het kader van dat besluit beschouwd wordt als een provincie, kan de hoge ambtenaar dus een provinciale fase aankondigen.
De noodplanning en de civiele veiligheid behoren krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 1989. Dus met betrekking met, tot de Brusselse instelling. Dat zijn dus de kernbevoegdheden van de hoge ambtenaar. De afkondiging van een provinciale fase maakt het niet enkel mogelijk om de gemeentelijke, maar ook de gewestelijke initiatieven en middelen te coördineren. Op die manier kan ook de bijstand van de hulp- en interventiediensten, zoals de brandweer, de dringende medische hulpverlening, de politiediensten, de civiele bescherming, de MIVB, de defensie, worden gecoördineerd. Et donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer les bourgmestres à la conférence des bourgmestres mercredi dernier. Nous avons discuté de la situation et nous avons pu échanger, je dirais, sur ce qui ne fonctionnait pas tout à fait bien. Mais on n'est pas là pour critiquer, on est là pour être positif et, je dirais, faire en sorte qu'on aille tous dans la même direction. Et donc, je réunirai une nouvelle fois, cette fois-ci dans le cadre du CORES, avec la haute fonctionnaire, bien évidemment, nous nous réunirons ce lundi, sachant qu'aujourd'hui, le fédéral ne semble pas disposé à enclencher la phase fédérale, et donc il n'est pas exclu que lundi, on déclenche la phase provinciale, enfin, la phase régionale, ça nous semble indispensable. À titre personnel, je ne vous le cache pas, j'aurais préféré qu'on initie la phase fédérale, mais bon, c'est comme ça. Je pense que c'est plus simple. Nous avons des outils. Alors, c'est comme pour la crise sanitaire, ce n'est pas les outils prévus pour, hein, puisque la phase fédérale, c'est quand vous avez une catastrophe qui, je dirais, un tsunami, des choses comme ça, qui touche tout le pays, qui nécessite qu'il y ait une coordination qui se fasse de manière verticale. On pouvait considérer que ceci rentrait dans les cases, mais bon, voilà. Mais on fera avec, et donc, je pense qu'on ira vers un déclenchement de la phase provinciale pour pouvoir, je dirais, coordonner le mieux possible les actions que nous allons mener. Et la task force qui donc s'est tenue aujourd'hui a regroupé aussi, c'est une autre réunion qui a eu lieu, qui regroupait tous les cabinets d'administration concernés pour évoquer les questions qui échappent à la gestion de crise d'urgence stricto sensu, mais qui sont générées par le même afflux de réfugiés fuyant la guerre. Une autre réunion de coordination se tiendra, elle, lundi. Elle est relative aux conséquences de la guerre et la situation internationale sous notre région. Et donc, voilà ce que je peux vous confirmer. Et donc, lors de cette rencontre avec le Premier ministre-président, il a été convenu, c'est la loi, hein, mais que le fédéral se chargerait d'accueillir en urgence, avant leur enregistrement, les personnes sans solution immédiate. Et donc, les gens qui n'ont pas pu s'enregistrer sont accueillis soit à Bordet, soit au Home Sebrecht à Molenbeek, qui a une capacité de 500 places, Bordet c'est 140 places. Par ailleurs, des bâtiments de bureaux en attente de conversion en logement seront mis à disposition pour l'accueil d'urgence à partir de lundi prochain. Ils sont identifiés, les autorisations des bourgmestres vont sortir, mais il y a un minimum à respecter en termes de fût-ce que de sécurité. Il faut que les pompiers donnent leur accord. Il ne faudrait pas non plus qu'on se trouve dans des situations. C'est comme l'accueil chez les particuliers. Nous devons aussi garantir un accueil sécur pour ces personnes qui vont se retrouver sur notre territoire. Et donc, les contacts sont permanents avec le centre de crise national. Et en coordination avec le service d'Alain Marron, il y a un travail qui est évidemment fait maintenant par ce que j'appelle, enfin je vais les appeler SAMU Social, mais c'est Bruxelles Help en général qui assure ce travail de faire les maraudes de nuit, de faire en sorte qu'on puisse nous, comme on le fait déjà depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années pour d'autres, de pouvoir orienter, trouver une solution, aider de manière, je dirais, humaine et le plus directement possible ceux qui se retrouvent à la rue. Et donc, il y a une coordination qui s'est faite aussi hier entre le haut fonctionnaire et toutes les organisations d'accueil en urgence pour vraiment se coordonner, faire en sorte qu'il y ait vraiment ce travail de terrain qui soit organisé. En voor onderdak op langere termijn is een verdeeld sleutel overeengekomen tussen de gewesten, dus 60% voor het Vlaams gewest en 40% op Waals gewest. Alors, Brussel is bij deze verdeelsleutel momenteel niet betrokken, aangezien de gecentraliseerde registratie en de noodopvang gebeuren op ons grondgebied. We kunnen niet de beide doen, dus zou zeer moeilijk zijn. En vanaf maandag gebeurt de registratie van de vluchtelingen, of dus op
twee plaatsen, Bordet en Paleis 8 op de IJssel. In totaal hoopt de toekomst de federale overheid 52 registratieloketten te openen. Voor huisvesting op korte termijn hebben heel wat burgers spontaan voorgesteld om hun woning ter beschikking te stellen en ook een aantal hotels heeft kamers aangeboden. Le secrétaire d'État lancera un appel spécial via les AIS pour susciter la mise en location de nouveaux logements à destination de familles ukrainiennes. Tout ça devrait évidemment être complété par la mobilisation et la création de structures d'accueil collectives. Et donc un appel sera aussi lancé pour la désoccupation temporaire de bureaux vides qui seront transformés temporairement. Enfin, tout ça, je le dis, on a quand même une certaine expertise. Mais aussi de se dire que ça ne se fait pas du jour au lendemain d'un claquement de doigts, si on veut faire un accueil de qualité. Pas perdre cela de vue, sachant qu'on est dans on agit sur un territoire qui, quand même, voilà, n'est pas extensible, il est densément bâti. On est sur 162 km². On ne peut pas, comme ça, dire on va installer, comme certains vont le faire, et tant mieux, des villages qu'on pourrait créer comme ça, out of the blue. C'est évidemment un peu plus compliqué de le faire dans un environnement urbain comme le nôtre. Mais ça ne veut pas dire que pour ça, on n'apportera pas de solution. Un élément quand même que je voudrais mettre en avant, je ne sais pas si ce sera dit plus tard, je ne m'en souviens plus, mais il faut bien se rendre compte qu'ici, on est dans une situation très particulière, puisqu'en réalité, les Ukrainiens bénéficient quand même d'un traitement particulier de leur demande, puisqu'en réalité, ils ne s'inscrivent pas dans le parcours classique des demandeurs d'asile. D'ailleurs, ils ne seront pas reconnus comme demandeurs d'asile. Ils bénéficieront d'un statut temporaire, donc ils pourraient être de maximum 3 ans, mais qui leur octroie ipso facto les mêmes droits qu'un Européen qui viendrait s'installer ici sur notre territoire. Donc le contexte juridique est quand même est différent. Et donc c'est clair que vous l'avez dit, que ce soit pour les services de CPS, services d'accueil, ce sont des services qui ont beaucoup été mis à contribution durant la crise sanitaire, et on se rend bien compte que voilà, il va falloir à nouveau faire appel à eux, et on espère que tout ça pourra se faire avec des modalités de renforcement, notamment en moyens humains. Et puis il y aura les questions liées à l'interprétariat, mobiliser aussi les Ukrainiens qui sont présents sur notre territoire pour assurer ça. Il y a le problème de la langue aussi. C'est parce qu'on dit oui, ça prend beaucoup de temps de faire l'enregistrement, mais vous devez imaginer, vous avez des personnes qui ne parlent pas français. Il y a tout ce travail-là qui doit être réalisé, et de manière qualitative, pour qu'il soit bien orienté. Et donc, voilà, ça c'est la situation dans laquelle on est. Les modalités de financement de tout cela, de tous ces renforcements, interventions fédérales, d'aucuns évoquent aussi d'interventions européennes. Enfin, voilà, je veux dire, tout cela est en cours de discussion et devrait être clarifié dans les jours qui viennent. Je pense que Karine Lallieu organise, enfin, je ne pense pas, je suis certain, elle organise une réunion lundi matin, oui, avec l'ensemble des CPS, mais comment ça s'appelle, les organisations, les fédérations des CPS. Donc les 3 fédérations seront réunies, je crois, lundi matin à l'invitation de Karine Lallieu. L'objectif est évidemment d'obtenir un financement. Il y aura un financement spécifique qui sera la hauteur de ce financement doit encore être discutée au sein du gouvernement fédéral. Ça ne dépend pas de nous. On espère qu'il sera il devrait être le plus haut possible. En dus op uw vraag in verband met voedsel hulp te beantwoorden, is reeds gezegd dat de federale overheid in zal staan voor de vooropvang van de vluchtelingen. Dat wil zeggen de voorlopige huisvesting tot hun registratie. En volgens de federale overheid zal deze maximaal 5 dagen duren. Zodra een persoon zich aangemeld heeft en een aankomst in een gemeente die door de dienst vreemdelingenzaken aangewezen werd en over huisvesting beschikt, kan hij of zij bij het OCMW een aanvraag indienen om een leefloon te ontvangen, ongeacht het statuut van zijn of haar gastheer. In geval van particuliere opvang gaat hier dus om een leefloon voor een gezin of een alleenstaande, niet voor een samenwonende. Op die manier zal de vluchteling voedsel kunnen aanschaffen en in zijn of haar basisbehoeften kunnen voorzien. En ik ben ervan overtuigd dat elk OCMW alle noden van kwetsbare mensen voor zijn rekening zal nemen. Dat is hun belangrijkste opdracht. En donc,
Je l'ai dit, pour nous, l'effort d'hébergement est d'autant plus important que nous devons continuer dans le même temps, et nous continuerons dans le même temps à héberger, accompagner les autres migrants présents sur notre territoire. Et donc, je vous renvoie à cet égard à une réponse que j'ai formulée en commission d'affaires intérieures, en vous renvoyant vers le protocole d'accord qui se dégage entre le CPS de Bruxelles et FEDASIL en l'occurrence. Nous avons déjà fait énormément d'efforts à cet égard-là, et on a eu souvent l'occasion d'en parler. Vous devez, je vais peut-être vous rappeler que tout ce que nous faisons en matière d'hébergement et d'accompagnement des migrants et illégaux sur nos territoires, peut-être rappeler que 65% des personnes sans-abri sont illégaux sur notre territoire. C'est un budget de 50 millions d'euros qui est consacré à la lutte contre le sans-abrisme en général, dont 10 millions pour les migrants spécifiquement. Et donc, nous continuons à négocier des pistes spécifiques d'accompagnement pour les groupes vulnérables avec le cabinet du secrétaire d'État, tout en s'assurant que les associations sur le terrain concerné soient aussi associées aux pistes de solutions qui pourront être dégagées. Et donc, voilà ce que je pouvais vous dire, sachant aussi peut-être, parce qu'on parle d'un hébergement pérenne, sachant aussi, on a à la fois des problèmes spécifiques maintenant dans certains quartiers avec des risques de surpeuplement, là aussi liés au fait que les premiers réfugiés qui sont arrivés ici en général avaient un point de chute, en fait. C'était par affinité familiale ou autre qui sont arrivés ici. On sait que dans les vagues suivantes, ce sera de moins en moins le cas. Donc ça, c'est une évidence. Mais ne pas perdre de vue non plus que ce statut particulier qui leur est donné, parce que certains parlent de plan de répartition. On n'est pas dans l'hypothèse du plan de répartition à l'époque. C'était Van Delanotte, je pense, qui avait ça en charge, où effectivement, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un système de CPS de référence qui avait été, donc pour repartir la tâche des CPS sur le territoire, il y avait un plan qui avait été fait. Ici, les Ukrainiens, de par le statut dont ils jouiront, pourront aller s'inscrire là où ils le veulent. Je veux dire que, et ils pourront aller s'établir là où ils le veulent. Donc, il n'y a pas de question de centre fermé ou de quoi que ce soit d'autre. Je veux dire, et là, va sans doute se poser, je l'ai dit hier aussi à la Réunion, pour nous, Bruxellois, le problème du logement dans une région où il y a, il ne faut pas se le cacher quand même, une crise du logement, logement de qualité qui préexiste. Ça sera, mes collègues disaient aussi que ce sera un problème urbain essentiellement, pour faire en sorte de garantir aussi que ça ne se fasse pas au détriment des Bruxellois qui ont déjà difficile à se loger à un prix décent, qu'il n'y ait pas un effet mécanique de l'offre et la demande qui fasse que les loyers repartent à la hausse. C'est vraiment un élément dont il faut aussi... Alors, la question pour moi n'est pas de dire il faut faire ceci ou faire cela, mais il faut avoir à l'esprit que ça, au-delà de l'élan de solidarité, il pourrait aussi y avoir un certain nombre de conséquences, d'effets non voulus qui pourraient se présenter ici en fonction de la situation préexistante bruxelloise, le nombre de réfugiés que nous accueillons déjà, la situation du logement, donc de la capacité d'accueil. On peut effectivement dégager en termes temporaires des moyens, mais de manière pérenne, la personne qui est ici, les réfugiés, enfin les Ukrainiens qui seront ici, vous ne pourrez pas dire ben, vous restez là où on vous assigne un logement. Ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. Hein. Donc ils pourront choisir leur lieu de résidence. Et donc il faut vraiment, on est au début, c'est clair que voilà, ça va, la crise elle est hélas, je pense, là pour un certain nombre, pour un temps certain, et donc la manière dont nous réussirons ou pas sera aussi fonction de la qualité de la coordination entre les différents niveaux de pouvoir. C'est aussi un défi, un nouveau défi qui est mis et présenté à l'ensemble de nos institutions, et qui éprouvera une fois encore notre fédéralisme de coopération. Voilà, merci pour votre réponse. Merci, monsieur le ministre-président. Alors, pour une courte réplique, madame Frémont. Oui, oui, de votre banc. Oui, je voudrais remercier le ministre-président pour les réponses complètes qu'il a pu apporter, évidemment, dans un temps imparti plus réduit. Je voudrais avoir deux requêtes qui s'adressent tant au ministre-président qu'au au président de l'Assemblée. D'abord, c'est de pouvoir disposer assez rapidement de la copie de la réponse de M. Vorvaux, de ne pas devoir attendre le compte-rendu intégral, parce que je pense qu'il y a énormément d'informations qui nous ont été transmises cet après-midi et qui sont extrêmement utiles pour relayer notamment nos mandataires locaux qui se posent beaucoup de questions. Vous êtes venu notamment avec des plannings d'intervention, je pense notamment au CORES, à des pistes en matière de logement. Et donc attendre
Le compte rendu provisoire de la séance plénière, c'est déjà avoir un peu de retard, alors que je trouve qu'il y a vraiment des réponses qui doivent pouvoir être liées d'ores et déjà. Et la deuxième chose, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourra... Je vous remercie, monsieur Verbourg. On ne peut rien vous refuser, on va aller faire des photocopies. Je remercie monsieur le ministre-président et on les déposera sur les bancs de tous les collègues. Je pense que ça vaut vraiment la peine. La deuxième chose, c'est qu'en réalité, forcément, dans les jours qui viennent, la situation ne va pas s'améliorer. Et il faudrait réfléchir un tout petit peu au sein de l'hémicycle, savoir comment est-ce qu'on va structurer ces débats sur l'accueil des réfugiés. Est-ce qu'on va avoir uniquement une commission? Je vous propose qu'on en parle en bureau élargi mercredi prochain. Parce que si on doit faire une partie en affaires intérieures sur les suivis du CORES, l'autre partie en santé sociale, avoir des questions notamment sur la question de la fragilisation de certains publics. Il y a la question des personnes en situation de handicap aussi, qui est importante. Et la sonnette d'alarme vient d'être tirée. On parle de 2,7 millions de réfugiés porteurs d'un handicap qui seraient en dehors de l'Ukraine. Et donc, ça va partir dans tous les sens. Et on risque, en fait, de solliciter constamment, en fait, toute une série de commissions, alors que je crois qu'on gagnerait, c'est mon avis tout à fait humble, avoir un endroit ici au niveau du Parlement, là, comme vous le voulez, avec une proposition et discutons-en en bureau élargi, pour avoir ce suivi régulier de la situation des réfugiés ukrainiens qui arrivent sur Bruxelles. Je vous remercie. Madame Frémaux, Madame Nagy. Oui, merci beaucoup, Monsieur le ministre-président, pour vos réponses. Je pense qu'il y a une série d'informations très importantes qui ont été données, dont le lancement, la phase régionale de crise de lundi, les rencontres avec les bourgmestres, etc. Je pense que, pour le moment, un appel très large a été fait à la solidarité des personnes et que ça va sans doute continuer, mais ça ne peut pas reposer que sur la solidarité des personnes. Alors, bien sûr que tout ça arrive dans une situation déjà difficile. Moi, je suis très consciente de ça. Mais voilà, ça va encore créer... les demandes sont là et il faudra y répondre. Et je pense que la Belgique, Bruxelles, a la capacité d'y répondre parce que cette situation se présente partout en Europe et c'est un peu notre prix à payer ou notre effort de guerre à nous de contribuer à cela. Et donc, vous l'avez signalé, ces personnes bénéficient d'une protection temporaire, c'est-à-dire que demain, elles pourront aller au CPAS de la commune où elles sont établies et ils vont demander de l'aide et c'est leur droit. Et donc, il faut que les CPAS, les communes, mais je pense en particulier aux CPAS qui sont déjà aujourd'hui dans une situation compliquée, puissent y répondre. Et on ne va pas dire à ces personnes, mais vous savez, nous... Et donc, je demande vraiment, monsieur le ministre-président, qu'il y ait une présentation dans les semaines qui viennent vraiment d'un plan d'action avec des budgets pour nos 19 communes et pour la région. Merci, Madame Nagy. Madame Ostrin. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre-Président, pour toutes ces informations et pour votre action. Je continue de penser que des réfugiés qui dorment dans la rue, c'est vraiment quelque chose qu'on ne devrait absolument pas voir. On devrait leur assurer un accueil digne et qu'on devrait vraiment éviter de rajouter du traumatisme au traumatisme et que je pense que dans cette région, on a les moyens de les accueillir plus dignement. Je vous remercie. Merci, Madame Ostrat. Madame Lecoq. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre-Président, merci d'abord vraiment beaucoup pour vos réponses à la fois précises et concrètes, réponses qui, personnellement, me réchauffent le cœur, comme d'habitude. On voit qu'à nouveau, la région bruxelloise, les communes bruxelloises, les bruxelloises et les bruxellois prennent leur part et même, en fait, plus que leur part dans cette situation. En effet, le fédéral a pris une décision qui est fantastique, qui est nécessaire d'accorder la protection, mais il est clair que l'application de cette décision, eh bien, forcément, de facto, retombe également sur d'autres niveaux de pouvoir et d'autres acteurs. Je m'étonne comme vous que la phase fédérale ne soit pas enclenchée, je souhaiterais de même. Et peut-être simplement terminer, Monsieur Macron nous disait que la guerre était aux portes de l'Europe, et la guerre n'est pas qu'aux portes de l'Europe, et c'est ce que nous pouvons constater jour après jour, chaque jour qui passe. Madame Ostrat l'a rappelé, il y a aujourd'hui des demandeurs d'asile qui dorment dehors parce que FEDASIL ne s'en occupe pas, aujourd'hui, chaque jour, à Bruxelles. Parce que FEDASIL ne s'en occupe pas, parce que FEDASIL a abandonné, parce que le fédéral n'a pas mis les moyens pour s'en occuper. Alors je ferai simplement le vœu que cette solidarité et cette unité retrouvée, comme disait ma collègue, puisse nous engager vers le chemin d'une migration bien mieux accueillie dans notre pays. Je vous remercie.
Merci, Madame Lecoq. Mevrouw Van Achter. Ja, dank u wel. Op mijn beurt wil ik u danken voor uw antwoorden, meneer de minister-president. Er zijn nog, u heeft zelf ook nog veel vragen opgeroepen die nog moeten doorgehakt worden, knopen waar antwoorden moeten op komen. Inderdaad, wat gaat de impact zijn op onze woningmarkt? Hè? Je kan zeggen, we gaan voor collectieve opvang, maar als dan de mensen naar zich inschrijven in een gemeente en naar de gewone woningmarkt gaan, waar vandaag ook al druk op is. Hè. Het is niet zo eenvoudig. Staan we voor een grote uitdaging. En ik roep u op om daar echt aan de kaart te trekken, samen met de gemeenten. Het is allemaal samen in het bad, om die uitdaging aan te gaan en om inderdaad zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben, ook voor de OCMW's, over wat er op hun afkomt en hoe ze dit moeten aanpakken. Ik denk dat we daar echt in tijdsnood zitten en het zal niet eenvoudig zijn om snel te reageren altijd, om bijvoorbeeld kantoorgebouwen om te bouwen tot woningen, maar dat zal wel nodig zijn. Dus ik roep u op alleszins om hard aan de kaart te trekken. En ook ik steun ook het voorstel van mevrouw Frémaux om te kijken in welke commissie we dit kunnen bespreken, want het is natuurlijk een crisis die veel hoeken en kanten heeft. En het zou goed zijn dat we dit een beetje gestructureerd kunnen opvolgen. Dank u, mevrouw Van Achter. Monsieur Van Koenberg. Oui, merci pour les réponses. Voilà, nous sommes devant un défi énorme, donc on ne sait pas combien de réfugiés vont arriver, mais c'est sûr que plus longtemps que la guerre va durer, plus il y aura de réfugiés. Il faudra des mesures spéciales, donc on pense à transformer des bureaux vides en logements, etc. Donc je trouve ça bien. La région a toute une expertise, et en fait, elle assumait déjà certaines responsabilités qui incombaient au fédéral. Mais donc le fait que la phase fédérale ne soit pas enclenchée, j'espère que ça ne présage pas le fait que de nouveau le fédéral restera absent ou pas assez présent, disons. Donc voilà, c'est... Merci. Merci, monsieur Van Koenberg. Mevrouw Rochet. Dank u wel, meneer minister-president, voor uw heel uitgebreid en gedetailleerd antwoord. Het is ja, na de verschrikkelijke traumas dat al die gezinnen en die duizenden Oekraïners meemaken, moet het ook hartverwarmend zijn voor hen om te zien dat ze welkom zijn en dat het Brussels gewest er echt alles in het werk stelt om hen hartelijk te ontvangen. Ik vind het ook heel fijn van u om te horen dat u duidelijk geen verschil maakt in de andere vluchtelingen die Brussel inderdaad de voorbije jaren en decennia ook al opvangt en waar ze ook moeite voor doen. Ik besef dat u ook de nood van de OCMW's gehoord hebt en dat daar nog verdere plannen voor moeten in het werk gesteld worden. Dus dank u wel. En ik voel ook zeker iets voor het voorstel van mevrouw Frémaux om te kijken hoe alles kan gebundeld worden. De werkstelling zal ook een van de vragen zijn die eraan komt, et cetera. Dank u. Dank u, mevrouw Rochette. Madame Jamoul. J'avais pas entendu que... Merci, monsieur le ministre-président. Je pense que c'est important de faire le point. Et une fois de plus, je pense que notre région fait sa part de travail et même plus par rapport à l'accueil des réfugiés. Je suis rassurée de savoir que la ministre Lalieu réunit les trois fédérations de CPAS lundi matin, parce que les CPAS vont être en première ligne, puisqu'ils vont avoir le statut provisoire. Et il y a besoin de personnel, il y a besoin peut-être même de locaux pour pouvoir assurer un suivi correct. Et effectivement, comme Madame Lecoq, un réfugié est un réfugié. Et donc je voudrais qu'on n'oublie pas non plus, et là vous allez peut-être pouvoir être cette voix auprès du fédéral, des échos arrivent que de plus en plus de personnes russes quittent leur pays et fuient leur pays. C'est encore une minorité, plutôt de l'intelligentsia, mais ils quittent la Russie. Je ne voudrais pas qu'ils soient victimes d'une russophobie stupide comme on en connaît un petit peu. Et puis il y a aussi d'autres personnes qui ont fui l'Ukraine et qui se sont retrouvées vraiment dans de grosses difficultés. C'est tous les étudiants africains, maghrébins, qui étaient
en Ukraine. Alors certains pays ont réussi à les rapatrier, d'autres errent encore. Certains sont déjà arrivés ici et je voudrais qu'on ne les oublie pas parce qu'ils sont eux aussi victimes de cette guerre. Et nous terminons par notre collègue David Weitzman. Micro. Ici ça va mieux. Je remercie Monsieur le Ministre-Président pour ces informations. Et c'est évident qu'il faut un plan d'action, qu'il faut une stratégie. J'aurais pu, Monsieur le Ministre-Président, vous parler du besoin de l'accompagnement pour l'inscription. J'aurais pu vous parler de l'aide matérielle, hein, parce qu'aujourd'hui, les réfugiés qui sont ici, qui ont été hébergés par des volontaires, par des bénévoles, par celles et ceux qui veulent vraiment montrer leur solidarité, ben, n'ont encore rien. Ils n'ont même pas la première aide, n'ont même pas les premiers vêtements, ils n'ont même pas le premier soutien. Donc j'aurais pu vous en parler, mais je n'ai pas souhaité de parler de tout ça. J'ai parlé de l'hébergement en urgence. Et pourquoi je vous ai parlé de ça? C'est parce que les communes ont mobilisé les citoyens pour remplir toute une série de formulaires, pour mettre leur logement à disposition. Ils voient, ces mêmes citoyens-là, qu'il y a des gens qui dorment dans la rue alors qu'ils l'ont mis à disposition. Les communes nous disent également, et un bourgmestre en particulier m'a dit, qu'il avait plus d'une centaine de personnes de logements qui étaient vides. Donc je n'ai toujours pas très bien compris où en était la coordination en extrême urgence, comment faire en sorte le plus rapidement possible, comme l'a dit certains collègues, évidemment, que les réfugiés ne dorment pas dans la rue, mais simplement s'assurer qu'il y a un matching entre les réfugiés qui arrivent et les logements qui aujourd'hui sont vides, sans parler des logements qui sont encore les logements publics qui sont vides dans notre région, mais ça c'est un autre débat. Parce que je n'ai pas envie d'être désagréable aujourd'hui, et donc de pointer le doigt là où ça pourrait faire mal, sur effectivement les bourgmestres, réinterrogez-les, pourront vous expliquer pourquoi et comment les choses ne se sont pas faites comme ils l'espéraient. Merci, Monsieur le Ministre-Président. Ceci clôture notre débat d'actualité consacré à la situation des réfugiés ukrainiens à Bruxelles. Alors, chers collègues, je vais déclarer ouverte la séance plénière de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune de ce jour. Alors, le 23 février, le Collège réuni de la Commission communautaire a déposé le projet de décret d'ordonnance conjoint de la Communauté française, de la région Wallonne, de la région Bruxelles-Capitale, de la COCOM et de la Commission communautaire française, instituant un défenseur des enfants commun. Conformément à l'article 87.5 du règlement, la proposition de décret et ordonnance conjoint est renvoyée à la commission interparlementaire qui doit encore être composée et qui est visée aux articles 50 et 51. Alors, l'ordre du jour appelle la discussion générale de la proposition de résolution de Mesdames Teitelbaum, Durcel et Monsieur Weitzman, visant à renforcer, diversifier et étendre les espaces d'hospitalité collectif et communautaire. C'est le document B64.1 et 2. La discussion générale est ouverte. Madame Tarr, rapporteuse, s'en réfère à son rapport écrit. La parole est donc continuée et donnée à notre collègue Viviane Teitelbaum. Merci, Monsieur le Président, chers et chers collègues. Les acteurs, les actrices de terrain sont unanimes et on le rappelle régulièrement en commission. Les inégalités déjà présentes avant le Covid ont été exacerbées et de plus en plus de personnes souffrent et risquent de souffrir à l'avenir de troubles de santé mentale. Alors, les chiffres en constante augmentation, en particulier chez les jeunes, sont systématiquement plus élevés chez les personnes percevant un revenu plus faible, les personnes âgées, les femmes. Mais depuis la pandémie, on constate aussi une augmentation constante du nombre d'appels au numéro vert réservé aux indépendantes et aux indépendants. Le contexte anxiogène créé par la pandémie a eu de lourdes conséquences sur la santé mentale due à l'isolement, au stress, aux angoisses liées au quotidien. Je ne vais pas revenir là-dessus, on en parle aussi régulièrement. Mes chers collègues, lorsque nous voulons améliorer la santé de nos citoyennes et citoyens, nous devons prendre en compte l'entièreté de la définition de l'OMS, en ce compris des composantes mentales et sociales, et ce tant au niveau curatif que préventif.
La solidarité, l'entraide, l'écoute et le partage sont des réponses aux problèmes d'isolement, en particulier pour les seniors. Mais on pense aux jeunes également qui ont vécu cette période très difficilement, et le mal-être sera bien entendu d'autant plus grave que la situation socio-économique de ce jeune, de cette jeune, sera difficile. Enfin, lorsqu'on parle de santé, plus particulièrement de santé mentale, une grille d'analyse genrée doit évidemment être appliquée, puisque tous les spécialistes s'accordent pour dire que, de manière générale, les femmes sont plus à risque, plus touchées par les troubles mentaux que les hommes pour des raisons sociologiques comme le stress, les violences, les agressions sexuelles, le faible niveau de revenu, la féminisation de la précarité, la dépendance financière ou encore la précarité professionnelle et la surcharge mentale permanente. La pauvreté, aujourd'hui, on le sait, a un visage féminin. Alors, toutes ces personnes en difficulté ont un besoin d'écoute, d'empathie, d'aide ou parfois simplement de souffler un peu. Les lieux de lien se sont dès lors révélés d'une grande utilité pour toutes ces personnes isolées en détresse mentale, et parce que il est important de pouvoir partager son vécu, de se sentir écouté, d'extérioriser ou tout simplement de se sentir soutenu et moins seul. Face à des situations combinant problèmes de santé mentale et précarité sociale aiguë, les professionnels de première ligne se tournent naturellement vers les différents services de santé mentale, maisons médicales, aides psychiatriques, hôpitaux, centres de cure, etc. Actuellement, l'offre de soins psychiatriques est, il est vrai, relativement diversifiée, mais insuffisante face aux besoins et saturée souvent par manque de moyens humains et techniques. Je comprends, hein. Non mais il n'y a pas de problème, je comprends. Voilà. Pour répondre à des problématiques intrinsèquement liées au contexte socio-économique difficile du patient. Les psychologues n'ont pas les moyens de résoudre nombre de problématiques sociales telles que l'accès au logement, à l'aide, à l'aide sociale, à l'emploi, et à contrario, les travailleurs sociaux sont peu ou pas formés aux troubles de santé mentale, mais doivent pourtant prendre en charge les personnes qui en souffrent. Dans cette perspective, la santé mentale doit urgemment être revue à l'aune des nouvelles problématiques propres à notre époque et qui sont en pleine mutation. Alors, ces lieux collectifs et communautaires sont coordonnés et animés par les professionnels de la santé mentale, mais étant considérés comme un usager ou une usagère. Il ou elle pourra alors se concentrer sur la détection, la prévention, le traitement précoce et la réhabilitation des patientes et patients avec troubles émotionnels et sociaux, développé dans la collectivité, en dehors des murs, plutôt qu'en face à face. Les acteurs de la santé mentale pourront de la sorte avoir une vision plus globale de la personne en souffrance, et les personnes peuvent y déposer leurs paroles sans automatiquement être considérées comme malades. À leur côté, les acteurs du social qui travaillent dans la proximité, dans les quartiers, avec des jeunes, des femmes, des seniors, des personnes précarisées, sont tout aussi nécessaires. Ils, elles, pourront travailler sur la sensibilisation et le soutien à la création de réseaux d'échange et d'entraide. Ils et elles pourront en outre aider les personnes à évoluer vers d'autres réseaux, aide à l'emploi, aide au logement, dans le cas où l'usagère ou l'usager en ressent le besoin. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé ce texte, d'une part pour agir sur la souffrance psychique d'origine sociale en permettant, en facilitant ce qui crée le lien entre les personnes et en leur permettant de se reconstruire dans un réseau. Ce qui permet en effet d'aider les personnes à s'exprimer ou même parfois à exprimer leur colère, de se sentir écoutées, soutenues, épaulées et surtout de ne pas se sentir seule face aux problèmes du quotidien. D'autre part, en sortant du cadre de la thérapie dite traditionnelle, il est possible d'apporter des solutions systémiques pour arriver à un changement de paradigme dans les pratiques afin de travailler sur le réseau et la cohésion sociale et se tourner ainsi vers une pratique du care en complément du cure. Trois éléments importants viennent renforcer cette idée de nécessité d'aller vers plus de réseaux. Le caractère exceptionnel de cette crise, la dimension collective de celle-ci et l'isolement créé par les mesures de confinement. D'où l'opportunité et la nécessité de travailler sur des approches également collectives de la santé mentale. La santé communautaire prend ainsi aujourd'hui plus que jamais tout son sens. Alors, ces lieux de lien se traduisent par la mise sur pied de groupes rassemblés autour d'une proximité géographique où les personnes peuvent poser leurs paroles librement. Leur participation se fait de manière graduelle avec le rythme souhaité par chacune et chacun. Et l'idée étant que toute personne qui arrive dans cet espace, en fait, puisse l'investir et s'en approprier.
En outre, et tout aussi important, cette appropriation passe aussi par une participation active à la mise en place, au déroulement et à l'évaluation des activités qu'ils ont aménagées pour répondre à leurs besoins. Ce qui, je l'ai dit, hein, mais ça, voilà, ça permet un travail en escalier où la personne va à son propre rythme découvrir un lieu de convivialité, s'y investir, s'épanouir, consolider de nouveaux liens sociaux. Et ça permet, in fine, de retrouver une autonomie en s'intégrant, en se réintégrant en fait dans la cité. En définitive, ces lieux permettent à la personne en perte de sens ou de lien de se reconstruire par l'entraide et le lien social. Et là, il faut aussi souligner le rôle des pères aidants, hein, dont le travail qui font un travail important parce qu'ils ont vécu l'expérience et la souffrance sociale ou psychique, et certains ont réussi à en tirer un savoir et veulent le partager et aider d'autres à partir de cette expérience même. Et donc, pour toutes ces raisons, cette résolution déposée l'année passée n'a pas perdu de sa pertinence, j'ai envie de dire, au contraire, elle est complémentaire au travail réalisé par le collège. Et donc, voilà, ces espaces existent, on le sait. Ils existent au sein de notre région, mais leur développement, finalement, est rendu difficile par les nombreuses demandes auxquelles doivent déjà répondre des services de santé mentale. Et donc, nous proposons de les étendre, de les diversifier, de les renforcer, parce que ceux qui existent, et on en a parlé en commission, en réalité, ne font pas tout ça, et en tout cas, pas de la même manière, et pas avec les mêmes objectifs. Et donc, voilà, c'est important de diversifier et d'étendre. Alors, l'argument principal pour refuser le texte en commission de la majorité était de dire que le PSSI serait bientôt présenté. Déjà, il y a eu un refus de co-signature de la majorité avant même que ce soit basé là-dessus, simplement aussi parce que le gouvernement travaille dessus. Néanmoins, ça fait 2 ans qu'on attend le PSSI. Il devait nous être présenté en janvier 2022, ensuite au début du mois de février. On est maintenant au mois de mars et on n'a toujours pas vu arriver le PSSI. Donc, voilà, nous espérons sincèrement au niveau du MR qu'il nous sera présenté dans les plus brefs délais. Malgré tout, je doute que ce plan parvienne à répondre à l'ensemble des problématiques existantes à Bruxelles. Les services de santé mentale, aussi diversifiés soient-ils, saturent et la demande ne semble pas diminuer, bien au contraire. Et donc, étendre ces lieux de liens collectifs et communautaires n'entraverait pas le travail du gouvernement. Et je pense que bien au contraire, et en fait, il ne s'agirait pas de froisser le gouvernement si cette majorité acceptait de voter ce texte, et je ne comprends vraiment pas d'où viennent les réticences. Il en va de la responsabilité des autorités publiques régionales d'agir. On ne dit pas que rien n'a été fait. On sait toutes et tous que les services étaient déjà saturés avant la pandémie, ils le sont encore davantage aujourd'hui. Cette résolution est un pas de plus dans la bonne direction. Ce n'est pas le seul, mais c'est un pas de plus. Et il est dommage qu'il soit refusé aux Bruxelloises et aux Bruxellois qui en ont pourtant bien besoin. Merci. Merci, Madame Teitelbaum. Alors, quelqu'un demande-t-il la parole ? Ovation sur les bancs du MR. Petite ovation, hein, mais ovation quand même. Alors, meneer Verstraat, u hebt het woord. Heel kort van op de bank, meneer de voorzitter. Ik sluit mij aan bij de uitleg van mevrouw Teitelbaum. Gewoon kort even zeggen dat ik ook in deze een klein beetje de houding van de meerderheid betreur. Ik heb dat bij herhaling ook al gezegd in het kader van andere teksten, dat ik het altijd een beetje spijtig vind dat men in dit parlement wat te gemakkelijk het spel meerderheid-oppositie speelt over zaken waar dat we het in essentie eigenlijk allemaal over eens zouden kunnen zijn. En dat men soms weigert om teksten aan te nemen of een duidelijk signaal te geven vanuit het parlement, vanuit het argument dat de regering ergens al mee bezig is. En ik ga iets citeren wat dat meneer Maron in feite gisteren namiddag in de commissie Gezondheid en Bijstand aan Personen heeft gezegd. Naar aanleiding van het feit dat een aantal aanbevelingen aangenomen zijn door de burgers in het kader van van de overlegcommissie dakloosheid, over zaken die in feite al gepland zijn door de regering, die in uitvoering zijn of waar dan men plant om bepaalde aandacht aan te besteden of actie te ondernemen. Meneer Maron heeft daar zelf van gezegd van ja,
Dat is nog altijd nuttig, dat is nog altijd interessant voor ons om dat te krijgen, om dat te ontvangen, om dat te zien, omdat dat een duidelijk signaal geeft, ook in feite aan het Verenigd College, aan de regering, om van bepaalde zaken meer werk te maken, daar meer de focus op te leggen, daar versneld werk van te maken. Nu, wat geldt voor een burgerassemblée, dat geldt volgens mij ook voor het parlement, of in deze voor de Verenigde Vergadering, zijnde dat ook wij als controleurs van de executieve een duidelijk signaal kunnen geven dat wij bepaalde zaken naar voren kunnen schuiven als parlement, onze prioriteiten kunnen aanstippen en een duidelijke opdracht geven aan de regering, aan de executieve, van hier moet versneld werk van gemaakt worden, hier moet meer aandacht aan besteed worden en hier en daar vinden wij dat er meer prioriteit gelegd moet worden. En in deze sluit ik mij volledig aan bij de prioriteit die mevrouw Teitelbaum en de andere indieners van deze tekst naar voren willen schuiven, dat er meer werk, versneld werk wordt gemaakt van collectieve mogelijkheden om te werken, aan toegankelijke mogelijkheden om te werken aan mentale gezondheid. We weten allemaal wat de kost is van een psycholoog, van een psychiater, etc. Laten we wel wezen, dat is zeker gelet op de armoedecijfers in Brussel voor zeer weinig Brusselaars betaalbaar. En als we daar dan naast leggen wat verschillende studies aanwijzen op het vlak van de mentale gezondheid van de Brusselaars, dat die ook eigenlijk in vrij slechte staat is, dan denk ik dat we creatief en snel werk zullen moeten maken van de alternatieven voor wat nu al bestaat, werk zullen moeten maken van toegankelijke initiatieven, van laagdrempelige initiatieven, van betaalbare initiatieven. En ik denk dat de tekst van de MR in deze een stap in de goede richting is. Dus ik betreur dat de meerderheid het niet in de goedheid van hun hart vindt om deze tekst te steunen. Dank u, meneer Verstraeten. Y a-t-il... Oui, madame Chabert, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Mais je... Très rapidement, on a eu des débats assez longs en commission. On revient régulièrement sur ce sujet. Je remercie mes collègues d'avoir remis une nouvelle fois la question de la santé mentale dans nos débats. Vous savez à quel point c'est un sujet aussi essentiel pour nous. On y revient régulièrement. Nous sommes plusieurs collègues à suivre ça. Je souligne aussi le fait que dans le texte que vous avez déposé, vous avez mis un focus notamment sur la question des femmes et du genre, ce qui est essentiel à nos yeux. Et vous savez aussi à quel point ces questions de genre et d'égalité sont essentielles pour mon groupe. Même chose pour les jeunes. Je faisais référence dans nos débats aux commissions sur le fait qu'il y a eu tout un travail qui a été fait en Fédération Wallonie-Bruxelles sur la santé mentale des jeunes et que nous avons déjà commencé le suivi de ces recommandations qui ont été adressées, donc qui sont des recommandations aux Fédérations Wallonie-Bruxelles, mais dont une partie concerne les régions puisque les matières santé sont régionales et que nous avons déjà entamé le suivi de ces recommandations au niveau du gouvernement régional. Et je voudrais dire aussi que pour nous, sur ces questions de santé mentale, comme de manière générale de santé, l'accessibilité et notamment l'attention au public les plus vulnérables, les plus fragilisés, est essentielle. Et donc, en effet, les lignes 05, les pratiques d'outreaching, les pratiques collaboratives entre les acteurs sur le terrain pour ramener tous ces publics qui sont loin de la première ligne de santé et de santé mentale en particulier, sont essentielles. Alors, vous avez aussi pointé des projets innovants qui sont déjà réalisés. Hein, donc, vous avez parlé des lieux du lien. En effet, ces lieux du lien existent. Il y en a plusieurs sur la région. Il va y en avoir plus encore. Ils sont financés. Ce sont des projets innovants et qui répondent à un besoin. Je le disais, notamment ce besoin basse-œil, ce besoin d'accessibilité, c'est essentiel. Mais il nous semble vraiment important que les solutions qui doivent être prises soient des solutions durables, pérennes, intégrées, articulées. Et pour ça, il nous faut une vision à long terme. C'est ce qui est prévu dans le fameux plan social santé intégré qui est imminent. Alors, il y a du retard, nous le constatons comme vous. On peut comprendre aussi que quand même, on sort d'une période un peu compliquée. Hein. Deux années de Covid avec la gestion d'une pandémie. Ça n'est pas rien pour le gouvernement, surtout le gouvernement sur les questions de santé. Et donc, oui, il y a eu du retard. Mais il nous semble prématuré de nous engager sur un texte alors que ce plan social santé intégré est imminent, qu'il devrait apporter des propositions, des solutions pérennes et intégrées. Et donc, vraiment trop prématuré pour nous de soutenir votre texte. Merci.
Madame Chabert, d'autres demandes de parole? Je n'en vois pas. La discussion générale est close. En application de l'article 91.4 du règlement, nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif sur les conclusions de la commission. Aan de orde is de algemene bespreking van het voorstel van resolutie van de heer Gilverstraten, mevrouw Siltje van Achter en de heer Matthias van den Borre, betreffende de invoering van de verplichte inburgering in Brussels, document nummer B79-1 en 2. De algemene bespreking is geopend. La parole est à notre collègue Kazadi, qui est rapporteuse. Et je me réfère au rapport écrit, monsieur. Et je vous en remercie, madame Kazadi. Je cède immédiatement la parole à monsieur Gilles Verstraten, premier signataire. Meneer Verstraten, u hebt het woord. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. En fijn, beste collega's, om terug hier te mogen staan en jullie hier ook allemaal te zien. Eerder dan via een laptopscherm. We hebben het vandaag al mogen vaststellen en de afgelopen week in commissie ook, dat het toch anders discussiëren is wanneer we elkaar in het echt zien. En af en toe eens een knipoog kunnen geven ook en een kleine opmerking tussendoor maken dan wanneer dat we tegen een scherm zitten te debatteren. Ik denk dat de democratie beter gediend is met deze manier van werken. De omstandigheden waren natuurlijk wat dat ze waren, maar toch ben ik blij om jullie hier vandaag terug te zien. Nu, over mijn voorstel van resolutie, het voorstel van mij en mijn collega's, zal ik relatief kort zijn, omdat het ook redelijk duidelijk is, redelijk vanzelfsprekend. Wat vraag ik, wat vragen mijn collega's in feite, om werk te maken van de inwerkingtreding, van de effectieve invoering van de ordonnantie die eindelijk na zoveel jaren discussie daarover, het Brussels gewest is de laatste plaats in het land geweest om effectief wetgeving goed te keuren die de inburgering verplicht zal maken voor nieuwkomers, om daar eindelijk die ordonnantie die al 5 jaar geleden gestemd is, om die ook in werking te doen treden. Nu, de collega's hebben mij daarover gezegd, hè, van ja, dat was geen voer voor een resolutie. Dat was eigenlijk eerder iets dat misschien een interpellatie had kunnen zijn. Nu, de collega's die de commissie gezondheid en bijstand aan personen volgen, die weten dat ik daar aan de lopende band interpellaties en vragen over indien, produceer en constant meneer Maron tot in den treuren daarmee lastigval, van hoe zit het nog, gaat het er nog mee vooruit, zijn de zaken die gedaan moeten worden nu eindelijk in orde, zijn de gemeenten voldoende ingelicht, zijn er opleidingssessies, is er een omzendbrief, is de IT-tool afgewerkt, zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de inrichters van de inburgeringstrajecten op het moment dat zou blijken dat we in feite een tekort hebben aan capaciteit, een reëel risico, denk ik nog altijd. En wat stel ik vandaag vast, hè? In onze institutionele lasagne, ook die Brussel soms is. Het is soms interessant om in meerdere laagjes van die lasagne aanwezig te zijn en eens een vraagje te stellen en af te toetsen tussen de verschillende niveaus van is de informatie die in de ene laag gegeven wordt, stemt die wel overeen met wat er in de andere laag aangevoeld wordt. En ik heb dus een vraagje gesteld in de gemeente Anderlecht, van ja, hoe zit het bij jullie eigenlijk? Hebben jullie ondertussen duidelijke instructies gekregen? Hoe zit dat met die opleidingssessies? Zijn jullie voldoende voorbereid? Is gedaan wat moet gedaan worden? En ik herhaal een beetje wat er in mijn resolutie staat. Is het takenpakket voor de gemeente duidelijk bepaald? Is er duidelijkheid geschapen bij de gemeenten over de grootte van de onthaaldienst, wat dat zal moeten aannemen, welke noden er zijn, hoeveel personeel men daarvoor moet voorzien? Zijn die opleidingssessies nu eigenlijk degelijk georganiseerd? Zijn jullie voldoende geïnstrueerd over het gebruik van die IT-tool? Die mogelijke capaciteitstekorten, dat is dan niet gemeentelijk niveau, maar daar zijn ook geen afspraken over gemaakt. Zijn de uitvoeringsbesluiten in orde? Kortom, zijn we er klaar voor die deadline, nieuwe deadline, vijfde deadline, ondertussen na vele uitstellen, gaan we die nu halen? 1 april. Wordt 1 april een aprilgrap voor de verplichte inburgering? Of zijn we klaar? Gaan we er geraken en gaat dat nu eindelijk, dus na zoveel jaren discussiëren, zoveel jaren
na de goedkeuring van de ordonnantie, gaat dat lukken? Wel, beste collega's, in dat ander laagje van de lasagne heeft men mij gezegd, we hebben de uitvoeringsbesluiten niet ontvangen. We hebben geen duidelijkheid over hoe groot dat die onthaaldienst zal moeten zijn. We hebben geen duidelijkheid of dat we extra personeel gaan moeten aanwerven. We hebben nog geen opleidingssessies gekregen met de IT-tool. We zijn op geen enkele manier klaar. En dan heeft de bevoegde schepen gezegd, de burgemeester gaat het agenderen op de volgende conferentie van burgemeesters. Maar we overgaan naar de volgende vraag. Ik heb gezegd, meneer de burgemeester, waarom gaat u dat agenderen op de conferentie van burgemeesters? Daar zou ik toch wel wat verduidelijking over willen. En dan kreeg ik het antwoord, plomp verloren, van de burgemeester van Anderlecht, toch de derde grootste gemeente van het gewest, om het uitstel te vragen. Om het uitstel te vragen, beste collega's, omdat de gemeente Anderlecht oordeelt dat men niet in staat zal zijn op 1 april om de inwerkingtreding degelijk te laten doorgaan. Dat men niet klaar is, dat die deadline onhaalbaar is, omdat al de zaken waartoe ik oproep in de resolutie, en waarvan de collega's zeiden van, ja, maar dat wordt al gedaan en dat is in orde, dat nog niet in orde is, naar het oordeel van de gemeente Anderlecht. En dus, beste collega's, ik ben eens benieuwd. De rest van ons ondertussen minder dan een maand. Het is niet omdat de burgemeester van Anderlecht dat agendeert, dat de andere burgemeesters dat gaan volgen. Er moet met unanimiteit beslist worden in de conferentie van burgemeesters. Maar ik heb toch serieus mijn twijfel over waar we staan vandaag. En dus zou ik alsnog zeggen, van die zaken moet versneld werk gemaakt worden. Als 1 april niet gehaald wordt, dan hoop ik dat men het wel in orde gaat brengen tegen een nieuwe, dan misschien realistische, misschien haalbare deadline. Maar het begint echt wel een beetje farsicaal te worden na al die jaren. En dan blijven er in feite, het is een beetje jammer dat meneer Maron er niet meer is, nog twee zaken die niet met de Brusselse gemeente te maken hebben. Zijnde een duidelijke afspraak maken voor die eventuele capaciteitstekorten. Maar in feite ook de correcte toeleiding naar de verschillende inburgeringstrajecten die er bestaan. Ik heb dat in Anderlecht ook al vastgesteld, dat bepaalde gemeenten zeer goed lijken te beseffen dat BAPA BXL bestaat, maar precies toch altijd een klein beetje aanmoediging nodig hebben om ook te begrijpen dat BON bestaat. Dat er ook Nederlandstalige inburgeringstrajecten zijn. En dus ook daar stel ik mij de vraag of dat die toeleiding correct zal gebeuren. We hebben de houding van bepaalde gemeenten op dat vlak in het verleden gezien. Hoe dat men in feite Nederlandstalig aanbod soms stiefmoederlijk behandelt. Dus daar wil ik ook wel nog eens zien wat er van komt, eenmaal dat die verplichte inburgering effectief in werking treedt. Met andere woorden, beste collega's, de resolutie zelf is ook oud. Ze is maanden geleden ingediend toen er nog veel meer onduidelijkheid over was. Maar ik stel toch, en de collega's zeggen dan van ja, dat is allemaal wel opgelost, maar ik stel vandaag toch vast dat er nog altijd op minder dan een maand tijd voor de voorziene inwerkingtreding heel veel onduidelijkheid bestaat. Dus ook hier, zoals bij de vorige resolutie, denk ik dat het geen slecht idee is dat onze vergadering een duidelijk signaal geeft aan het Verenigd College, zijnde, maak er nu eindelijk eens degelijk werk van dat dat ermee in orde komt en dat het geen chaotische inwerkingtreding wordt waar ik momenteel voor vrees. Dank u, meneer Verstraeten. Is er nog iemand die het woord vraagt? Pardon. Merci, monsieur le président. Il faut prendre un peu d'eau. Voilà, chers collègues, on en a déjà très longuement parlé, donc je ne vais pas refaire le débat, mais vous savez que c'est un projet, voilà, l'obligation du parcours d'intégration est quelque chose que nous portons depuis 2005, et donc voilà, c'est important pour nous. On le répète régulièrement, ne pas parler une des langues du pays, ne pas comprendre les codes qui nous entourent, c'est se priver finalement de possibilités pour s'intégrer, se sociabiliser, de connaître des lieux pour se faire aider en santé, de recours aux droits, trouver du travail. Je pense aussi en particulier aux femmes pour qui l'obligation permet souvent de suivre ce parcours obligatoire qui peut s'avérer
important pour la lutte contre les violences, pour la lutte contre les discriminations, mais aussi au niveau des ressources, simplement en santé, de lutte contre l'isolement, la méconnaissance des droits, etc., etc. Alors, nous déplorons également le retard pris par les différentes législatures, y compris celle-ci, quant à la mise en œuvre de l'obligation de ce parcours d'intégration. Et nous restons attentifs et attentifs au calendrier de mise en œuvre. L'un des derniers obstacles était le développement du système informatique. Le ministre a depuis confirmé l'entrée en vigueur au 1er avril prochain. Et donc, on continuera à suivre ce dossier de près. Ceci dit, l'ordonnance vient d'être votée et nous ne pensons pas que la présente proposition apporte une réelle plus-value au dossier. Donc, comme on l'a dit en commission, nous resterons vigilantes et vigilants quant à la mise en place du parcours. Nous veillerons à ce que les moyens alloués soient suffisants, mais nous tiendrons aussi à l'œil les éléments liés au calendrier, à l'outil informatique, au suivi des groupes de travail, mais nous nous abstiendrons sur le texte. Merci, Madame Tettelbaum. Madame Lecoq. Merci, Monsieur le Président. Mais très, vraiment extrêmement brièvement, parce que tout le débat dans le fond du texte a eu lieu en commission de manière large et nous étions d'ailleurs relativement d'accord, je dirais, entre les différents partis sur un certain nombre de réponses à vous apporter, parce qu'en effet, les questions que vous posez sont tout à fait légitimes, et comme vous l'avez rappelé, vous les posez également de manière très récurrente dans cette même commission, donc nous avons souvent l'occasion d'en discuter. Je pense que le ministre a pu répondre à l'ensemble des éléments. Simplement profiter de l'intervention pour rappeler quand même notre volonté d'avancer dans une intégration de plus en plus grande de ce parcours d'intégration dans les deux communautés, je dirais, de manière à vraiment avoir un parcours d'intégration qu'il soit bruxellois entièrement. Voilà, je vous remercie. Merci, Madame Lecoq. Madame Jamoul. Oui, j'allais dire exactement la même chose que Madame Lecoq, donc je ne vais pas répéter. Nous avons eu un long discours. Nous sommes bien sûr tous d'accord sur l'importance d'une intégration réussie. Et voilà, le ministre a répondu, on a adopté, ça doit entrer en vigueur le 1er avril. Donc effectivement, comme on l'a déjà dit en commission, c'est davantage un suivi de l'ordre des ordonnances qui ont déjà été, et du décret qui ont été approuvés. Et donc nous ne pourrons évidemment pas soutenir, puisque selon nous, elle est un peu obsolète. Voilà. Merci, Madame Jamoul. D'autres demandes d'intervention ? Non, meneer Rostraat. Ik ga gewoon een heel, heel kort repliekje van op mijn bank geven, meneer de voorzitter. Wat het verbrusselen van dat inburgeringstraject betreft, dat is allemaal fijn en wel, maar ik denk dat u daar op de Vlaamse gemeenschap zal stoten, waar minister Somers al gezegd heeft dat hij zinnens is om de Nederlandstalige inburgeringstrajecten in eigen regie te behouden, zoals in heel het systeem was afgesproken. En dat is natuurlijk een beetje de kar voor het paard spannen, om daar al over zitten te dromen, terwijl dat de praktische implicatie van het systeem zoals het is uitgewerkt en de invoering daarvan in feite nog niet rond is en nog veel werk gaat vergen. Wederom, we zullen zien of dat die 1 april te halen valt. Maar één positief iets om op te eindigen, zou ik toch willen zeggen dat het fijn is dat ondertussen in feite quasi alle partijen in dit half rond het erover eens zijn dat niet alleen inburgeringstrajecten, maar zelfs een verplichte inburgering een positieve zaak is, een nodige zaak is om tot effectief een geslaagde integratie te komen voor de emancipatie van mensen die voet aan wal zetten in ons mooie gewest. Dat is ooit anders geweest. Dat heeft jarenlang volgehouden argumentatie vereist. Maar op dat vlak kan men dan zeggen, good things come to those who wait. En de aanhouder wint op dat vlak. Dus ik ben op zijn minst blij dat alle collega's het er ondertussen daarover eens zijn. Het is ooit anders geweest. Dank u, meneer Verstraeten. Plus de demandes de parole. La discussion générale est close. L'algemene bespreking is gesloten en application de l'article 91.4 du règlement. Nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif sur les conclusions de la commission. Alors, notre dernier point à l'ordre du jour appelle la discussion générale de la proposition de résolution de Mme Gropi, M. Busselen, Mme De Smet et consorts, visant au renforcement du dispositif de tracing par l'embauche d'opérateurs Covid sous la direction des services de promotion de la santé à l'école. C'est le document B101
1 et 2. La discussion générale est ouverte. Madame Chabert s'en réfère à son rapport écrit. Je donne donc immédiatement la parole à Monsieur Busselen. Merci, Monsieur le Président. Beste collega's, onze resolutie om de aanwerving van contactonderzoekers in de scholen te versterken zou achterhaald kunnen lijken, gezien deze vijfde COVID-golf de laatste COVID-golf lijkt te zijn, gezien onze resolutie dateert van 4 maanden geleden. Maar misschien moeten we toch 2 keer nadenken, want niemand heeft een glazen bol. Niemand weet of het virus toch zou kunnen terugkomen. We moeten namelijk vaststellen dat er tussen 1 en 7 maart dagelijks gemiddeld 6.930 nieuwe besmettingen werden vastgesteld en dat dat dus een stijging is met 15% ten opzichte van de week daarvoor, zo blijkt uit de cijfers van Cienzano. En dus nog steeds is testen en tracen wel degelijk een element dat van belang is in de Brusselse scholen, in de strijd tegen het virus, zeker in het gewest waar de vaccinatiegraad het laagste is binnen onze populatie van min 18-jarigen. Bon, notre résolution veut renforcer les équipes au sein de la commission communautaire commune destinée à la lutte contre la propagation du COVID-19. Notre résolution a aussi l'ambition d'intensifier la coopération entre la COCOM, les services de promotion à la santé à l'école, et les centres psychomédico-sociaux dont leur tâche de testing, tracing et la quarantaine. Et si j'écoute le personnel dans ce secteur que j'ai, avec qui j'ai pu discuter, cette coopération et ce renforcement est encore le bienvenu. Je vous rappelle que le secteur de l'enseignement s'est fait entendre le jeudi 10 février pendant une grève avec des milliers de participants dans les rues de Bruxelles. La première manifestation d'ailleurs depuis 2011. Et ook in het Nederlandstalig onderwijs is de werklast heel groot. In plaats van minder afwezige leerkrachten, zoals bevoegd collegelid Sven Gats had beloofd in december, was er in januari een stijging van het aantal afwezige leerkrachten in het Brussels onderwijs. En dus de merite van deze resolutie zou zijn dat de nodige ondersteuning wordt geboden die de leerkrachten hebben gemist de afgelopen jaren. De merite van deze resolutie zou zijn dat we klaarstaan mocht het virus toch nog terugkomen. En de merite zou zijn dat we zouden samenwerken over de gemeenschapsgrenzen heen in het belang van alle Brusselse kinderen. En dat zou een changement de cap zijn, denk ik. Dank u voor uw aandacht. Dank u, meneer Busselen. Merci, monsieur Busselen. Y a-t-il des collègues qui souhaitent intervenir? Madame Plovy? Mais oui, pour un petit peu expliquer le refus, évidemment, de cette résolution. Donc, rappeler un petit peu ce que ça a été une évolution dans les décisions. En novembre, il y a eu la mise en place du tracing scolaire effectué par le call center COCOM en novembre, donc pour suppléer aux difficultés au niveau du PSE. Et l'échéance était prévue pour le 30 juin 2022 avec une évaluation mensuelle. Et le rôle des PSE, depuis la mi-novembre, a été celui de gérer la gestion des fermetures de classe ayant atteint les 2 cas index en moins de 7 jours, d'organiser et d'informer. Et à dater de janvier, les cartes ont été rebattues et de nouvelles instructions ont été données par rapport à l'enseignement fondamental. Je ne vais pas aller dans tous les détails, mais en janvier, donc, il y a eu une CIM du 26 janvier qui a revu de nouveau les dispositions et la manière de fonctionner. Et donc, c'est vrai que depuis la CIM du 9 mars, il a été confirmé le niveau épidémiologique 2 avec une faible dangerosité virale. Et de ce fait, il n'y a plus aucun testing ni tracing de masse qui est envisagé pour l'instant. Et donc, plus aucune pression sur le public scolaire et sur les écoles. Donc, je pense que même s'il faut être attentif, évidemment, à toute évolution dans le futur, et être prêt à revoir évidemment notre organisation. Aujourd'hui, en tout cas, cette résolution n'est pas nécessaire et n'est pas en adéquation avec notre situation épidémiologique. Merci, Madame Plovy. Y a-t-il d'autres collègues qui souhaitent encore intervenir? Je n'en vois pas. Ah, ja, meneer Verstraten, u hebt het woord.
Extreem kort, meneer de voorzitter. Gewoon even aanstippen dat er eigenlijk een beetje los van de inhoud van de resolutie zelf, dat er eigenlijk een beetje een fundamenteel probleem is met waar deze is ingediend. Want voor zover ik het begrijp, zijn hier allerlei oproepen met betrekking tot het Franstalig onderwijs in feite. En betreft dit geenszins, naar mijn inschatting, een bicommunautaire aangelegenheid. Dus het is eigenlijk een resolutie die eerder thuis gehoort dat in de Franse gemeenschap, lijkt mij. Ik zie mevrouw Plouvy van opmerking maken. Parce que, comme je l'ai dit, pour le mois de novembre, il y a eu une décision de la COCOF pour pouvoir aider quand même la communauté française, la soutenir par rapport donc au testing et au tracing. Et c'est par la suite que ça s'est organisé autrement. Voilà. De COCOF, mais pas de COCOM. Non, pas la COCOF. La COCOM. La COCOM. Ouais. Ah, ok. D'après les informations que j'ai obtenues et qu'on peut toujours obtenir auprès, je pense, du ministre dans le cadre des commissions lors de l'interpellation. Mm-hmm. Ok. Dan hou ik het daarbij. Dank u, meneer Verstraeten. Monsieur Busselen, meneer Busselen. Ja, kort. Ik vind het toch een beetje schokkend om te zien hoe bepaalde collega's willen terugvallen op bepaalde bevoegdheden. Wanneer dat we in een crisis zien die we eigenlijk nog nooit hebben gezien. En dus het gaat om de ondersteuning van onze leerkrachten in Brussel die het al heel moeilijk hebben en die eigenlijk die ondersteuning zouden kunnen meer dan nodig hebben. Voilà, dat was een korte repliek. Dank u, meneer Busselen. La discussion générale est close. En application de l'article 91.4 du règlement, nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif sur les conclusions de la commission. Alors, je vais suspendre la séance quelques instants, le temps de permettre à tous les collègues de 1. Se connecter, faire le test vote, parce que nous allons voter encore une dernière fois, en principe aujourd'hui, avec notre téléphone. Donc que chacun vérifie s'il a bien fait son test vote et puis on votera d'ici 5 petites minutes. Je vous remercie.
Monsieur le Président. Chers collègues, nous allons démarrer le vote, mais avant, Monsieur Van Guetsenhoven souhaite prendre la parole. J'ai un petit problème technique. Voilà, ma batterie est à plat, et donc, est-ce que vous m'autoriserez à voter On va noter, on notera le vote. Désolé, voilà. Sauf si vous me dites le contraire, je prendrai le vote de votre groupe chaque fois. Je ne vais pas me singulariser spécialement aujourd'hui. Parfait. Bien, chers collègues, tout le monde est prêt? Bon, non, c'est moi qui n'ai pas prêt. Et les questions d'actualité, là? Les questions de... Écoute, on va attendre, donc on a prévu Mme Van den Brandt, elle arrive d'ici une vingtaine de minutes. Je l'annonce déjà maintenant? Non, enfin, tu peux dire que la question est... Oui, petite communication. Donc, les questions qui ont été adressées à Mme Van den Brand, écrites, auxquelles il n'y a pas eu de réponse, à l'issue du vote, elle répondra aux questions. Donc, ceux qui ont posé des questions écrites à Mme Van den Brand, auxquelles elle n'a pas répondu, je les invite donc à rester après le vote, puisque Mme la ministre répondra. Il y a déjà des réponses qui arrivent, et il reste combien de questions auxquelles on n'a pas eu de réponse ? 19. Alors, il faudrait peut-être trouver la liste des gens qui sont concernés pour qu'on puisse informer les collègues qui doivent rester poser leurs questions. Allez, nous allons démarrer le vote. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance supprimant l'organisme d'intérêt public Fonds pour le financement de la politique de l'eau. Quelqu'un demande-t-il la parole pour une explication de vote ? Non ? Il est procédé au vote, début du vote. Est-ce que vous savez mettre l'écran, l'hémicycle plus... Parce que je n'ai pas tout l'hémicycle, je ne vois pas. Je ne vois pas tout l'hémicycle, moi, sur mon écran, ici. Voilà, super. Chacun a-t-il voté ? Chacun a-t-il vérifié son vote ? Fin du vote. Alors, 79 membres ont pris part au vote. 78 oui, 0 non, 1 abstention. En conséquence... Le Parlement adopte la proposition d'ordonnance qui sera soumise à la sanction du gouvernement. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'article réservé sur l'ensemble de la proposition d'ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 novembre 2018 relative à l'utilisation des modes de transport partagés en flotte libre alternatif à l'automobile. Quelqu'un demande-t-il la parole pour une explication de vote ? Nous allons procéder au vote. Début du vote. Oui, mais nous votons sur l'amendement numéro 1. Vous avez raison. Merci, chers collègues. Et l'amendement numéro 1, en fait, est un ajout d'un nouvel article, article 7, qui est déposé par M. Verstraten, Mme Parmentier, M. Tendal, M. Lowenstein, Mme De Jong et Mme Rochette. Donc, nous votons sur l'amendement numéro 1. Début du vote. Je vais peut-être me faire une liste. Chacun a-t-il vérifié son vote ? Fin du vote. Oui. Oui. Attends, je te la rends tout de suite. Alors, 80 membres ont pris part au vote. 62 oui, 0 non, 18 abstentions. En conséquence, l'amendement est adopté. Alors, on me dit, Madame Maison m'envoie un message en me disant qu'il n'y a plus de connexion en salle pour les gens qui sont à distance. Madame Frémaux me dit qu'il y a un gros souci. On ne nous entend pas. Je ne sais pas.
Bon, apparemment, ils n'ont pas le retour sale, si je comprends bien. C'est l'inverse. Intervenir, non. Mais il doit pouvoir nous entendre. Donc, l'amendement numéro 1 est adopté. Nous passons au vote sur l'ensemble de la proposition d'ordonnance. Début du vote. C'est bon ? Tu ne nous entends pas et Céline, je mets mes votes sur le chat. Oh là là, ça va être compliqué ça. Ben ouais. Donc Madame Frémaux met ses votes sur le chat, on rajoutera après. Hein. Mais, ok. On va attendre deux minutes, le temps que le service informatique essaie de nous régler cela. Donc je ne clôture pas encore le vote. Hein. La technique. Bon, en principe, c'est la dernière fois qu'on utilise ce système. Nous reviendrons au vote ancien où on appuiera simplement sur un bouton en espérant qu'on ne doive plus le réutiliser. Allez, on va clôturer ce vote. Fin de vote. C'est celui-là, alors. Oui, c'est ça. Alors, 82 membres ont pris part au vote. 64 oui, 0 non, 18 abstentions. En conséquence, le Parlement adopte la proposition d'ordonnance qui sera soumise à la sanction du gouvernement. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur les conclusions de la commission tendant au rejet de la proposition de résolution visant à faire de la micromobilité partagée un nouveau pilier de la mobilité à Bruxelles. Nous passons au vote sur les conclusions de la commission. Petit rappel, ceux qui sont pour le rejet de la proposition votent oui, puisque les conclusions de la commission en proposent le rejet. Donc ceux qui sont contre votent oui. Début du vote. Chacun a-t-il vérifié son vote ? Pour les collègues qui sont à distance et qui n'arrivent pas à voter, on comptabilisera leur vote, hein, qui ne s'inquiète pas. Chacun a-t-il vérifié son vote ? Fin du vote. ...81 membres ont pris part au vote, 57 oui, 18 non, 6 abstentions. En conséquence, le Parlement adopte les conclusions de la Commission tendant à rejeter la proposition de résolution. Alors ici, je vous demande d'être attentif parce qu'il y a beaucoup d'amendements.
L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en région de Bruxelles-Capitale concernant des redevances de voirie en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018-2001 et de la directive 2019-944, document A 516-1 et 2. Quelqu'un demande-t-il la parole pour une explication de vote ? Il est procédé au vote. Nous votons sur l'amendement numéro 1, amendement qui est déposé par notre collègue Siltje Van Acter, Mathias Vandenborre et Gilles Verstraeten. Donc nous votons sur l'amendement numéro 1 à l'article 5. Début du vote. Chacun a-t-il voté ? Chacun a-t-il vérifié son vote ? Fin du vote. Fin du vote. 81 membres ont pris part au vote. 7 oui, 59 non, 15 abstentions. S'il vous plaît, un peu d'attention. 7 oui, 59 non, 15 abstentions. En conséquence, l'amendement numéro 1 est rejeté. Nous votons sur l'article 5 tel que non amendé. Nous votons sur l'article 5 tel que non amendé. Nous allons procéder au vote. Début du vote. Chacun a-t-il vérifié son vote ? Chacun a-t-il vérifié son vote ? Chacun a-t-il voté ? Fin du vote. 82 membres ont pris part au vote. 58, 3 non, 29 abstentions. En conséquence, l'article 5 tel que non amendé est adopté. Nous votons sur l'amendement numéro 2, amendement qui est déposé par nos collègues Siltje Van Acter, Mathias Vandenborre et Gilles Verstraeten. Nous allons procéder au vote sur l'amendement numéro 2. Début du vote. Chacun a-t-il voté ? Chacun a-t-il vérifié son vote ? Fin du vote. 82 membres ont pris part au vote. 4 oui, 60 non, 18 abstentions. En conséquence, l'amendement numéro 2 est rejeté. Nous votons sur l'article 8 tel que non amendé. Oui, oui, madame. Yeah. Mathias Vandenborre, soms komt het door, soms komt het niet door. Hij heeft mij laten weten dat hij heel slecht... Oké, donc on rajoute monsieur Vandenborre en vote positif, le numéro 18. Hij stemt zoals onze hij fractie. Hij stemt voor, hein. Alors, nous votons donc sur l'article 8 tel que non amendé. Nous allons procéder au vote. Début du vote. Chacun a-t-il vérifié son vote ? Bon, on a le même problème pour M. Vandenborre, pour Mme Frémaux, mais tout cela, on les rajoute, donc ne vous inquiétez pas. Chacun a-t-il voté ? Fin du vote. 82 membres ont pris part au vote. 51 oui, 2 non, 29 abstentions. En conséquence, l'article 8 tel que non amendé est adopté. Nous allons à présent voter sur l'amendement numéro 9
qui est déposé par David Leister, Madame Tettelbaum, Madame Tchekalski et Madame Bertrand. Nous votons donc sur l'amendement numéro 9. Début du vote. Chacun a-t-il voté? Chacun a-t-il vérifié son vote? Fin du vote. 83 membres ont pris part au vote, 20 oui, 59 non, 4 abstentions. En conséquence, l'amendement numéro 9 est rejeté. Nous votons sur l'article 29 tel que non amendé. Nous allons procéder au vote. Début du vote. Chacun a-t-il vérifié son vote? Margot? Ah, c'est bon. Fin du vote. 83 membres ont pris part au vote, 51 oui, 4 non, 28 abstentions. En conséquence, l'article 29 tel que non amendé, est adopté. Nous votons à présent sur l'amendement numéro 10, qui est déposé par les mêmes signataires, David Leister, Madame Tettelbaum, Madame Tchekalski, Madame Bertrand. Nous votons sur l'amendement numéro 10. Nous allons procéder au vote. Début du vote. Chacun a-t-il voté? Chacun a-t-il vérifié son vote? Fin du vote. 83 membres ont pris part au vote, 19 oui, 59 non, 5 abstentions. En conséquence, l'amendement numéro 10 est rejeté. Nous votons sur l'article 31 tel que non amendé. Nous allons procéder au vote. Début du vote. Chacun a-t-il vérifié son vote? Fin du vote. 83 membres ont pris part au vote, 52 oui, 16 non, 15 abstentions. En conséquence, Monsieur l'article 31 tel que non amendé est adopté. Monsieur le Président, je peux justifier. J'essayais, je croyais que c'était à distance. Non, pas de souci. Allez-y. On devient. Est-ce que je peux justifier mon abstention? Bien sûr. Voilà. Mais donc, le projet ne permet pas de rétablir, on l'a dit, l'équilibre entre l'attractivité du marché et la protection sociale des ménages vulnérables. Il institutionnalise, selon nous, les défaillances du système au lieu de les résoudre. Toutefois, il y a certains éléments dans cet article qui vont dans le bon sens et on a relevé le plafond. Donc voilà, l'abstention du groupe MR là-dessus, à travers ma voix, se rapporte à cela, Monsieur le Président. Merci, Madame Tettelbaum. Alors, nous votons sur l'amendement numéro 3, qui est déposé par Madame Van Achter, Monsieur Vandenborg et Monsieur Verstraten, concernant l'article 46. Donc, nous votons sur l'amendement numéro 3, déposé par le groupe NVA. Début du vote. Chacun a-t-il vérifié son vote? Fin du vote. On se nourrit. 83 membres ont pris part au vote, 7 oui, 61 non, 15 abstentions. En conséquence, l'amendement numéro 3 est rejeté. Nous votons sur l'article 46 tel que non amendé. Nous allons procéder au vote. Début du vote.
Chacun a-t-il vérifié son vote? Chacun a-t-il voté? Fin du vote. quatre-vingt-deux membres ont pris part au vote, 50 oui, 8 non, 24 abstentions. En conséquence, l'article 46 tel que non amendé est adopté. Nous votons sur l'amendement numéro 4 à l'article 47 déposé par Mme Van Achter et consorts. Nous allons procéder au vote sur l'amendement déposé par la NVA. Début du vote. Chacun a-t-il vérifié son vote? Fin du vote. quatre-vingt-deux membres ont pris part au vote, 7 oui, 59 non, 16 abstentions. En conséquence, l'amendement numéro 4 est rejeté. Nous votons sur l'article 47 tel que non amendé. Nous allons procéder au vote. Début du vote. Chacun a-t-il vérifié son vote? Chacun a-t-il voté? Fin du vote. Monsieur le Président, c'est Monsieur Thémy, j'ai un problème de connexion. Je vais vous comptabiliser comme la majorité, s'il vous plaît. Merci. Chut, s'il vous plaît. Oui, Monsieur Thémy, tout le monde vous écoute. Dites-nous. Mais si dites-nous. C'est possible donc de rectifier mon vote, s'il vous plaît, et de voter comme la majorité. Je me suis trompé. Oui, parce que votre chef de groupe avait une tête pas très sympathique, là, je peux vous le dire. Allez, on va corriger le vote de... Je suis vraiment désolé, Monsieur le Président. Bien. Je suis vraiment désolé. Pas de problème, Monsieur Thémiz. Nous comprenons parfaitement la situation et donc nous allons corriger le vote. Alors, nous sommes donc au vote sur l'amendement, c'est bien ça, numéro 5. Allez, nous votons sur l'amendement numéro 5 à l'article 108 déposé par le groupe NVA. Madame Van Achter et consorts, nous votons donc sur l'amendement numéro 5. Nous allons procéder au vote. Début du vote. Chacun a-t-il vérifié son vote? Chacun a-t-il voté? Fin du vote. 83 membres ont pris part au vote, 7 oui, 60 non, 16 abstentions. En conséquence, l'amendement numéro 5 est rejeté. Nous votons sur l'article 108 tel que non amendé. Nous allons procéder au vote. Début du vote. Chacun a-t-il voté? Chacun a-t-il vérifié son vote? Fin du vote. 81 membres ont pris part au vote, 49 oui, 4 non, 28 abstentions. En conséquence, l'article 108 tel que non amendé est adopté. Nous votons à présent sur l'amendement numéro 6 déposé par le groupe NVA. Nous allons procéder au vote. Début du vote. Chacun a-t-il voté? Chacun a-t-il vérifié son vote? Fin du vote. 82 membres ont pris part au vote, 7 oui, 60 non, 15 abstentions. En conséquence, l'amendement numéro 6 est rejeté. Nous votons maintenant sur l'article 109 tel que non amendé. Nous allons procéder au vote. Début du vote. Oui, Madame Parmentier. Sur le vote précédent, vous avez oublié de voter, c'est ça? Ah, allez, on va prendre note. Je suppose que vous votez comme votre groupe.
comme Monsieur Témis. Allez, on a bien pris note de la demande de Madame Parmentier. Est-ce que chacun a voté? Allez, là, la rangée du fond. Voilà, fin du vote. 83 membres ont pris part au vote. 52 oui, 3 non, 28 abstentions. En conséquence, l'article 109 tel que non amendé est adopté. Nous votons à présent sur l'amendement numéro 11 déposé par le groupe MR. Nous allons procéder au vote sur l'amendement numéro 11 déposé par le groupe MR. Début du vote. Chacun a-t-il vérifié son vote? Fin du vote. 82 membres ont pris part au vote. 20 oui, 59 non, 3 abstentions. En conséquence, l'amendement numéro 11 est rejeté. Nous votons sur l'article 123 tel que non amendé. Début du vote. Chacun a-t-il voté? Fin du vote. 80 membres ont pris part au vote. 51 oui, 4 non, 25 abstentions. En conséquence, l'article 123 tel que non amendé est adopté. Nous votons à présent sur l'amendement numéro 12, également déposé par le groupe MR. Nous allons procéder au vote. Début du vote. Chacun a-t-il voté? Chacun a-t-il vérifié son vote? Monsieur Témis? Monsieur le Président, comme la majorité, je suis désolé, j'ai un problème de connexion. Pas de problème. Monsieur Tally? C'est bon. Fin du vote. Et on rajoute Monsieur Témis comme la majorité. Alors, 83 membres ont pris part au vote, 21 oui, 59 non, 3 abstentions. En conséquence, l'amendement numéro 12 est rejeté. Nous votons à présent sur l'article 125 tel que non amendé. Nous allons procéder au vote. Début du vote. Chacun a-t-il voté ? On rajoute M. Témis en vote positif avec la majorité. Merci, M. le Président. Fin du vote. 83 membres ont pris part au vote. 51 oui, 4 non, 28 abstentions. En conséquence, l'article 125 tel que non amendé est adopté. Nous votons à présent sur l'amendement numéro 7 qui est déposé par le groupe NVA. Nous allons procéder au vote. Début du vote. Tous les votes de Madame Frémaux sont indiqués dans le chat. Chacun a-t-il voté? Je vois. Voilà. Fin du vote.
83 membres ont pris part au vote, 7 oui, 60 non, 16 abstentions. En conséquence, l'amendement numéro 7 est rejeté. Nous votons à présent sur l'article 131 tel que non amendé. Nous allons procéder au vote. Début du vote. Chacun a-t-il voté, Madame Nagy? Fin du vote. 83 membres ont pris part au vote, 51 oui, 4 non, 28 abstentions. En conséquence, l'article 131 est adopté. Nous votons à présent sur l'amendement numéro 8 déposé par le groupe NVA. Nous allons procéder au vote. Début du vote. Chacun a-t-il vérifié son vote? Chacun a-t-il voté? Fin du vote. 83 membres ont pris part au vote. 7 oui, 60 non, 16 abstentions. En conséquence, l'amendement numéro 8 est rejeté. Nous votons à présent sur l'article 132 tel que non amendé. Nous allons procéder au vote. Début du vote. Madame Genot. Chacun a-t-il vérifié son vote? Fin du vote. 83 membres ont pris part au vote. 51 oui, 4 non, 28 abstentions. En conséquence, l'article 132 tel que non amendé est adopté. Nous allons à présent voter sur l'ensemble du projet d'ordonnance. Nous allons procéder au vote. Début du vote. Pour ajouter Monsieur Témise en vote positif. Fin du vote. Ce n'est pas encore proclamé. 83 membres ont pris part au vote. 51 oui, 18 non, 14 abstentions. En conséquence, l'ordonnance, le projet d'ordonnance est adopté. Monsieur le Président. Il y a une abstention ou justification de cette abstention? Allez-y, Madame Tettelbaum. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mais voilà, on l'a dit à plusieurs reprises cette semaine, l'objectif de l'ordonnance est de protéger les plus vulnérables et de rendre le marché bruxellois de l'énergie plus attractif. Dans les faits, cet objectif n'est que très partiellement atteint, puisque si certains éléments vont dans le bon sens, et nous l'avons dit, vous maintenez un système à travers cette ordonnance qui n'apporte aucune solution structurelle pour empêcher les ménages de tomber dans la précarité ou de les aider à s'en sortir. Vous maintenez, à travers ce texte, la judiciarisation de ce dossier, et donc, dans les faits, les risques d'emballement de la dette, avec dans 90% des cas, quand même, un juge de paix qui décide de la coupure. Ce texte maintient aussi un système défaillant, puisqu'il met un sparadrap sur un cercle vicieux auquel il ne met pas fin et où la procédure proposée n'agit pas comme une protection, mais comme une sanction pour beaucoup de ménages précarisés. Enfin, donc, ce texte ne permet pas de rétablir l'équilibre entre attractivité du marché et protection sociale des ménages vulnérables et institutionnalise les défaillances du système au lieu de les résoudre. Et donc, cette abstention du groupe MR que j'exprime veut saluer les pas qui vont dans le bon sens, dans la bonne direction, dans le contexte actuel
difficile pour beaucoup de Bruxelloises et de Bruxellois. Voilà, Monsieur le Président. Alors, chers collègues, nous votons à présent sur la proposition de résolution de Mme Tettelbaum, Mme Durcel, M. Weitzmann, visant à renforcer, à diversifier et étendre les espaces d'hospitalité collectif et communautaire. Nous votons sur l'ensemble du texte conformément à l'article 91.4. Il y a une double majorité qui sera vérifiée. Alors, est-ce que chacun est prêt ? Donc, ceux qui sont contre, votent pour. Oui. Vous avez raison de le rappeler. Oui, on vote sur les... Vous avez raison, Monsieur Chaïd, je fatigue. Vous avez raison. Donc, pour faire simple, ceux qui sont contre, eh bien, ils votent pour. Voilà. Allez, nous allons procéder au vote. Début du vote. Ah, Guy. Chacun a-t-il vérifié son vote, Madame Genot ? Fin du vote. Alors, 82 membres ont pris part au vote, 58, 17 non, 15 abstentions. En conséquence, la proposition de résolution est donc rejetée. Allez, nous votons maintenant sur la proposition de résolution de M. Verstraeten, Mme Van Acter, M. Vandenborre, relative à l'instauration du parcours d'accueil obligatoire à Bruxelles. Donc c'est le même principe, nous votons sur les conclusions, ceux qui sont contre votent pour. Nous allons procéder au vote, début du vote. Il ne reste plus qu'un vote après. Oui, c'est ça. Bon, alors je vais dire le petit mot. Oui. Chacun a-t-il vérifié son vote ? Fin du vote. Quatre-vingt-trois membres ont pris part au vote, 63 oui, 3 non, 17 abstentions. En conséquence, la proposition de résolution est rejetée. Chers collègues, avant de passer au dernier vote, je voudrais vous dire quelques mots sur la situation en Ukraine. Alors, depuis la déclaration de guerre de la Russie à l'Ukraine, un immense élan de solidarité s'est levé dans tout notre pays. Bruxelles, capitale de l'Europe, n'est évidemment pas en reste de la collecte de dons à l'hébergement de réfugiés. Les citoyens, les organisations humanitaires, les communes, le secteur hôtelier et d'autres encore multiplient les initiatives pour soutenir les civils ukrainiens. Et parce que les symboles comptent aussi, le Parlement bruxellois affiche depuis plusieurs jours les couleurs de l'Ukraine pour manifester sa solidarité avec le peuple ukrainien et redire combien la démocratie et la liberté nous sont chères. Chers collègues, à l'instar des autres parlements, je vous propose de respecter une minute de silence en solidarité avec le peuple ukrainien et à la mémoire de toutes les victimes de cette terrible tragédie. Je vous remercie, chers collègues. Monsieur le Président, sur un tout autre plan, comme c'est le dernier vote distanciel, je voulais que le Parlement remercie M. Willems et tout le service informatique qui nous a permis, durant toute cette période difficile, de continuer à travailler et à vivre plus ou moins bien.
Merci, Monsieur De Wolf. C'est très important de rappeler combien notre personnel a été sur le pont durant tous ces mois et durant ces deux ans. Chers collègues, nous allons donc procéder au dernier vote, j'espère, comme l'a dit Monsieur De Wolf, le dernier vote avec ce petit engin. Alors, nous votons sur la proposition de résolution de Madame Gropi, Monsieur Busselen, Madame De Smet et consorts, visant au renforcement du dispositif de tracing par l'embauche d'opérateurs Covid sous la direction des services de promotion de la santé à l'école. Nous votons sur l'ensemble. Nous allons procéder au vote. Début du vote. Donc, c'est les conclusions. Donc, c'est la même chose. Hein. Donc, ceux qui sont contre, votent pour. Début du vote. La liste des gens qui doivent rester. Ces quatre-là. Oui, c'est ça. Oui. Les autres sont excusés. Hein. Alors, chers collègues, avant de proclamer le résultat, donc, comme je vous ai expliqué, Madame la ministre est là, donc toutes les questions écrites auxquelles il n'y a pas eu de réponse, donc les députés sont invités à poser leurs questions et Madame la ministre y répondra. Alors, sont concernés, je vais vous donner les noms de ceux qui sont concernés, ils ne sont pas nombreux, d'autres sont excusés. Alors, il y a Madame Aurélie Tchekalski, qui n'est pas là et qui avait trois questions. Il y a Marc Lowenstein, qui a trois questions. Monsieur Dominique Lautenstall, il avait 11 questions, mais il est excusé, il est malade. Et il y a monsieur Jonathan de Patoul qui a 2 questions. Je ne sais pas si vous les avez tous avec vous, mais voilà. Sinon, je pense que les services. Sinon, les services ont des copies de vos questions, le cas échéant. Fin du vote. 83 membres ont pris part au vote. 74 oui. 8 non, 1 abstention. En conséquence, la proposition de résolution est rejetée. Je vous souhaite un excellent week-end et aux staccanovistes, je les invite à rester en séance pour poser leurs questions à la ministre. Bon week-end. Et je suppose que le président doit rester, évidemment. Mais écoutez, je suis désolé. Bien, chers collègues, je propose que ceux qui doivent poser leurs questions, donc finalement, s'il vous plaît. Alors finalement, il y a M. Lowenstein qui a donc 3 questions et M. De Patoul qui a 2 questions. Donc ça va faire 5 questions puisque M. Lautenstall est excusé et Mme Tchekalski n'est pas ici, donc il y a 5 questions. Je propose de commencer par qui le souhaite. Peut-être juste pour la bonne organisation. Moi, si Madame Van den Brandt a les réponses ici,
elle est transmise au service et que c'est repris au BQR, au bulletin des questions et réponses, moi j'ai aucun souci à ce que ça soit publié. Maintenant, si ce n'est pas possible et qu'il faut absolument les poser pour que ça soit repris dans un compte rendu. Si Mme la ministre est d'accord, pour nous, il n'y a aucun problème. Vous avez j'ai, donc... j'ai les copies ici. Eh bien voilà. Alors je propose que vous remettiez à nous on les publiera au bulletin. C'est ça ? Mobilité. C'est ça. Merci beaucoup, M. Lowenstein, pour cette suggestion qui est vraiment très, très, très. À partir du moment où c'est repris dans le compte rendu, moi, ça me va. Oui, ce sera repris, évidemment, dans le compte rendu. On fait semblant qu'on a fait tout cet exercice-là. Quand même, pour l'histoire, ce sera quand même le moment. Mais ils ont leur réponse. Oui, ils ont leur réponse et en futur, ils vont penser qu'on a vraiment fait ça. Et ceux qui ne sont pas là et qui n'ont pas. On essaye d'avoir la liste, mais j'avoue que le nombre des questions est parfois difficile à respecter les deadlines. Je comprends parfaitement. Excellente suggestion, Monsieur Lowenstein, je vous remercie. Et merci également à Madame la Ministre de s'être déplacée avec les réponses. Qu'est-ce que vous préférez, BQR. Qu'on les envoie ou bien que vous qu'elle les... Qu'elle me les envoie et ça sera au BQR. Donc il faut l'envoyer au greffe ou au service législatif ? Au greffe. Ça va ? Oui. Ouais. Voilà. C'est super. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je vous souhaite. Moi, je crois que c'est parce que tu cherchais un alibi. Week-end. Maintenant, tu dois rentrer à la maison. Tu dois vraiment rentrer à la maison maintenant.